Bonjour, bonjour, bienvenue. Bienvenue en Console Mania. Bienvenue dans le 11e épisode de la saison B. Je sais pas, vous allez bien? Hop, ah ouais, son sale. Moi ça va. Ça va, ça va. Journée difficile hein, qui s'annonce, bien sûr. Prêt à sortir les bannes à la moindre mention de Metroid Dread. Je suis chaud. Je suis chaud. On attend que les animaux arrivent. Enfin, les animaux vont arriver. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai tout ce qu'il faut. Hop, j'ai les cartouches pour les endormir. Hop, tout va bien. Tout va bien. Oui, bon, des spoils dans Metroid. Bon, Clofab, s'il te plaît. S'il te plaît, dans 5 minutes, tu vas me dire « Bon, je veux pas de spoil dans un jeu de voiture, donc on sait pas. Hein. Peut-être qu'il y a des vélos. » Hein? Attention. Attention. Ça devrait aller. Normalement, ça devrait aller. Voilà. Hop. Allez, je suis chaud. Spoiler Samus a une armure. Chut. Ah non. Enfin, oh. Calmez-vous. Bonjour. Bonjour à vous, bien sûr. Donc, on est encore sur Is. Encore sur Is. Malheureusement, on n'a pas de chance, bien sûr. On a un nouveau personnage. Avec un piou-piou. Qui piou-pioute, du coup. Je sais, c'est assez fou. Grâce à son piou-piou, elle le piou-pioute. Elle fait des piou-piou. Je sais plus où on était exactement. Donc on va piou-piouter. GB Operator fait par épilogue. Oui, je connais la GB Operator fait par épilogue. Et je n'ai pas spécialement d'avis, à part le fait que ce n'est pas un appareil pour moi, pour une raison très simple. C'est que c'est juste une interface. C'est juste un. Oui, une interface pour récupérer tes saves sur tes cartouches à toi. Mais c'est tout. Je sais que tu peux jouer au jeu sur ton PC, mais après tu joues via un émulateur et. Et du coup, bah, c'est un émulateur qu'ils n'ont pas développé eux. C'est quelque chose qui est externe. Donc l'appareil en lui-même, il doit sûrement être bien terminé, bien fini, et voilà. Après, moi, ce qui me dérange, très honnêtement, Nemesis, et je pense que tu vas vite comprendre le lien. La boîte, elle s'appelle Epilogue. Elle vend du matériel, pas de luxe, mais du... Comment dire? Voilà, une sorte de... Ouais, enfin... Ils veulent faire premium, voilà, si tu veux. Ils s'appellent Epilogue. Et leur logo ressemble énormément à ce que peut faire Analogue. Donc je pense... y a un petit bout de moi qui pense que les mecs se sont dit... Mais attendez... Y a moyen de récupérer de la thune, là? Ils sont allés sortir un... Ils sont allés sortir une... Comment dire, une cartouche, enfin pas une cartouche, mais je sais pas comment ça s'appelle exactement. Mais tu sais de quoi il retourne. Donc non, moi je trouve ça bien. Si tu veux, je trouve ça très bien. Si toi tu veux récupérer tes saves, via tes cartouches Game Boy. Après voilà. Je pense que personne
Enfin, je vois pas pourquoi quelqu'un aurait besoin de récupérer ses cartes, récupérer ses saves. Voilà. En plus, il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens de récupérer des saves pour moins cher. Mais c'est un bel objet. Et bah, tout dépend de ce que tu veux en faire. Ça t'intéressait, toi, Nemesis, d'une certaine manière? Qu'est-ce que... et si oui, qu'est-ce que tu voulais en faire avec? Ça m'intéresse de, d'en discuter. Parce que je vois pas trop, trop de cas de figure dans lequel une personne se dirait « Tiens, j'ai besoin de cet appareil. » Enfin, j'ai besoin. J'aimerais bien acheter cet appareil. Je sais pas si c'est par là. Oui, et Mister F, on n'est pas loin parce que... bah, tu sais, le stream dernier... on a beaucoup discuté, donc ça a été un peu... voilà. Ça a été un peu long. Tu imagines. T'étais pas là? Ah bon? Donc ça veut dire que j'ai joué à Is et t'étais pas là. Eh bah bravo. On me félicite pas. Mais enfin, après, hein, je suis pas un fanboy hein, de Analog. Hein. Certes, j'ai acheté beaucoup d'appareils venant d'eux. Mais enfin, dernièrement, avec leur... hein... avec la Pocket que j'attends depuis 8 ans. Bon. J'avoue que prochainement, si je dois acheter quoi que ce soit venant d'eux... Je pense que j'y réfléchirai à deux voire trois fois avant de m'engager. Et si je m'engage... Bon. Voilà. Je sais. Je sais que c'était pas mal car je voulais la possibilité de jouer avec ces cartouches sur PC. Je l'avais compris comme ça. Après au niveau de la marque perso, ça m'est égal pour moi que ça marche. Alors, attention. Et c'est là moi que... Donc si c'est pour jouer... je te déconseille d'acheter ce genre d'appareil pour un truc très simple, c'est que ça marche comme les consoles, bah les clones que tu, oui, comme tu, les consoles que t'achètes où tu mets ta cartouche, c'est ta cartouche, la ROM est dumpée et tu joues sur un, vraiment tu joues sur un émulateur. Donc en gros, ce que je veux te dire, c'est que certes, tu pourrais avoir la ROM, tu peux aller télécharger la ROM quelque part, donc ça viendra de toi, donc dans un sens, le côté légal, bon, ça passe, mais à part ça, t'as pas de... C'est pas parce que t'as ta cartouche que ça va tourner bien, quoi. Et j'ai un exemple parfait, par rapport à ça, c'est qu'il y a des jeux, il y a des jeux Game Boy... alors je crois pas que, je sais pas si cet épilogue fait que les jeux Game Boy, Game Boy Color, ou alors ils font aussi ça fait GBA. Mais je crois que ça doit faire GBA parce que l'émulateur dedans c'est MGBA. Oui bah ça fait GBA c'est sûr. Si tu prends cet appareil là et que tu branches ton Mario Kart Super Circuit, il y a quand même de grandes chances que les gens sur GBA, ils aient Mario Kart Super Circuit. Tu verras que ça va pas trop fonctionner. Parce que Mario Kart Super Circuit est un des jeux... enfin, fait partie de ces jeux qui, en émulation, est un peu... enfin, il n'est pas parfaitement émulé. Et dans le sens parfaitement émulé, ça se voit surtout vis-à-vis de la musique. Et de certains parcours. Donc du coup, c'est un peu bête, quoi. C'est un peu bête. Et si tu l'as pas acheté, Nemesis, mais que tu souhaites l'acheter, je te conseille d'abord de tester l'émulateur MGBA. Donc c'est MGBA. Et tu verras, c'est vraiment la même chose, quoi. Donc, disons que tu pourras l'acheter, mais teste d'abord si les jeux que tu as fonctionnent bien avec cet émulateur. Après, j'avais aucun problème avec l'émulation logicielle, hein. J'ai vraiment aucun problème. Mais il n'y a pas de soucis.
Pas de soucis, pas de soucis. Il y a plein d'informations sur leur site à Epilogue. Ils ont une FAQ et tout, où ils expliquent comment ça se passe. Et c'est là, c'est parce que quelqu'un que je connais a acheté cet appareil-là qu'on en a discuté. Et voilà. Mais bon, de toute façon, pour conclure, parce que je n'ai rien d'autre à dire après là-dessus, si ça permet aux gens de faire en sorte que le rétro soit plus accessible, moi je ne peux que être satisfait. Je ne peux que être satisfait. Il vaut mieux au final se servir de Super Game Boy pour capturer sur PC. Alors oui, oui. Le problème du Super Game Boy, c'est que ça tourne pas. Enfin, c'est pas que ça tourne pas bien, mais ça tourne trop vite. Le Super Game Boy 1, même si ça coûte pas cher, il est pas. Il tourne plus vite qu'une Game Boy normale. Et du coup, c'est relou. Et il faut acheter un Super Game Boy 2 pour être à, pour avoir pour être accurate à 100%. Ou alors il faut modder le Super Game Boy 1. Et bon voilà. Ah oui oui bah le oui. Je suis sur GameCube, pas de problème. Je pensais que tu parlais de celui sur Super NES. C'est l'endroit où les sticks de la manette Xbox sont super fragiles. Je sais pas. Je sais pas, cousin, j'en ai pas de manette de Xbox, car je n'apprécie pas la manette de Xbox. Je n'ai que... Je n'ai que des manettes de PlayStation. Ah, mais y'a pas de problème, hein. Pas de problème. Et non, pas de drama. Hein. De toute façon, comme dit auparavant, Upper, il n'y a pas de drama ici. Oh, ça va. Du coup, ça tombe bien que Mister Ruff, tu es là. Alors oui, j'ai pas été très rapide. Cependant, je suis très curieux vis-à-vis du niveau que j'ai par rapport au niveau que je dois, enfin que toi tu avais. Voilà, si tu as quelques petites infos, je prends. Si tu te rappelles, hein, si tu te rappelles pas, tu te rappelles pas. Tu as parlé d'Ananok, tu as des mésaventures. Alors. Oui et non. Les seules mésaventures que j'ai eues, c'est les. On me dit même plus bonjour. Si, je t'ai dit bonjour. Ceci était arrivé, j'ai dit bonjour. Les seules mésaventures que j'ai eues, c'est par rapport à la. Comment on appelle ça ? Les douanes, les frais de douane que j'ai payé, donc ça n'a rien à voir avec Analog. Et dernièrement, j'ai un problème avec ma Mega SG. Donc ça fait maintenant depuis qu'elle est sortie que j'ai acheté la Mega SG. Je sais pas exactement quand elle est sortie la Mega SG. Tiens, ça me permet de savoir quelle date elle est sortie. Launch. Est sorti en 2019. Du coup, depuis mars 2019, donc ça fait 2 ans maintenant, j'ai la Mega LG. Elle fonctionne très bien encore, pas de problème. Elle est là d'ailleurs, elle est toute belle, toute jolie. Mais, j'ai l'impression, j'ai bien dit, j'ai l'impression que qu'il y a une incompatibilité avec un de mes appareils. Je sais pas si c'est la console, mais parfois le signal vidéo sur certains jeux saute. Je sais pas si c'est vis-à-vis de la... Je sais pas si vis-à-vis de quoi.
J'ai essayé de changer l'alimentation, j'ai essayé de changer le switch, j'ai essayé de modifier les paramètres de capture, parce qu'il y a tellement de trucs, le signal passe par tellement de trucs que ça peut être tellement, ça peut être beaucoup de choses. Et j'ai essayé de contacter, Analog. Oui. Et le problème avec le SAV d'Analog, c'est que c'est pas qu'ils veulent pas prendre c'est pas qu'ils veulent pas m'aider, mais bon, bah ils me font bien comprendre que de toute façon, si la console ils doivent la prendre en SAV, derrière je vais payer la max. Et c'est un peu relou de me dire que si un jour ma console tombe en rade, je vais devoir payer le prix de la console pour la réparer. Et t'es là, bah yes. Donc c'est chiant, et surtout, comme c'est des appareils qui ne sont pas produits pendant des dizaines et des dizaines d'années, et tu m'as bah, normal, hein, t'imagines bien, si elle tombe en panne dans 2 ans, imaginons. Oh merde! Si la console tombe en panne dans 2 ans, il y a de grandes chances que. Que je sois dans la merde. Enfin, ça dépend ce qui tombe en panne, hein, comme toujours. Hein. Mais non, j'en suis content. J'en suis content. Ça marche très très bien. J'ai toujours fait toutes mes émissions avec. Et voilà quoi. Moi, je ne peux que te conseiller Analog. Après, faut. À Nemesis, faut bien que tu sois comment dire, que tu sois au courant que si t'achètes la console à 200 balles, déjà d'une t'auras 50 dollars de frais de frais de port, donc tu vas la payer 249 dollars, donc ça doit faire 230 euros, plus quand ça va arriver tu vas sûrement payer 100 euros, j'ai bien dit 100 euros de frais de douane, parce qu'il passe par DHL, ça va très vite, mais parce que ça va très vite, les douanes, tiens Féo, ouais, 100 euros de frais de douane, ouais. Ouais, allez, donc j'ai la Windcape, je peux avancer. Non mais j'ai besoin de me... Attends, qu'est-ce que... J'ai 15k save. Pourquoi tu DL le jeu là? Comment ça tu DL le jeu? Ah mais sur Steam tu joues? Bah oui. Attends, tu joues... Non, bah tu joues sur Steam. Comment ça Mister Ruff, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train d'apprendre des choses horribles sur toi. Oui, j'ai pas de PSP. Et le jeu, il est sorti sur PC ou tu joues via un émulateur? Tu jouais sur Steam, d'accord. Oui, non, mais je me rappelle plus. C'est bon, je me rappelle plus, ça va. Oh, j'ai failli juste te blacklister, ça va. Alors, Renew, Exor, ouais, ok. Prevent Cursed. Hop, donc c'est bon, maintenant on a l'objet du donjon. Achetez vos jeux. Bah moi je l'ai acheté. Regarde, il est sur la PSP, hein, je l'ai acheté. Hein. T'as aucune preuve du contraire. Enfin, Nemesis aussi, c'est un hobby d'enthousiaste, hein, Analog. Hein, c'est vraiment le luxe de la. Enfin oui, c'est. Enfin bref.
Comme je le dis toujours, si je ne streamais pas, jamais de la vie j'aurais acheté quoi que ce soit de Analog. C'est cher. C'est cher. Même si la qualité est au rendez-vous, c'est cher. C'est cher et en plus d'être cher, je sais pas. Je sais pas si avec le temps. Ah, je suis pétrifié. Je sais pas si avec le temps, ça. Ça vaut bien le coup d'avoir balancé autant de thunas. Parce que c'est cher. Hop. Il faut être au courant. Je ne conseille pas à tout le monde de passer par ces. Moi, utiliser les jeux de ma Game Gear ouais, sur la télé et les Mega G avec l'adaptateur, c'est le seul moyen que j'ai pu trouver. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est un moyen. C'est vrai, tu as raison. Après, je te dirais qu'il y a sûrement des gens qui ont développé des petites boards afin de récupérer. Ah, je pense pas qu'il existe. Ah, peut-être qu'il existe pas des adaptateurs, mais. Je sais pas. Je t'avoue. Mais oui, c'est vrai que là, par rapport à ce que tu recherches. Oui. Oui. Là, le caillou. Alors, on va récupérer sa vie. Non, il faut y a des gens donc il va pas me laisser la récupérer. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Il doit avoir des trucs, mais c'est fait par trois personnes dans. Ça fait pas trois personnes, et puis voilà quoi. Je peux pas récupérer de ma vie là. Mais de toute façon, il va sûrement avoir un moyen de récupérer sa vie. J'ai 100k pièces. Je suis riche. Oh là! Tiens, calme-toi bien. Je vais balancer mon utile en pleine face, qu'est-ce que tu vas faire? Mais pas de problème. Si t'as d'autres questions, hein, vas-y, n'hésite pas. Si je peux t'aider, je le ferai. T'as une question? Oui. J'ai peut-être des réponses. Vas-y. Il y a un marché à apprendre. J'ai lancé ma société Catalogue. Pas mal. Hop là. Bef! Tu sais que je peux. Non, pour les cartes graphiques, autant te dire que c'est même pas la peine. Si tu vas chez quelqu'un, tu sais qu'il en a une, et tu lui voles, hein. Ça, je pense que c'est la meilleure des choses à faire là. Moi, je voulais changer ma 1080. Même si en vrai, là, j'ai pas besoin de la changer, mais je me suis dit qu'un jour ça serait bien. Bah, avec tout ce qui s'est passé, c'est même pas la peine. Cependant, pour l'instant, je n'ai pas besoin de changer. Vu que même les jeux PC qui sortent, pour l'instant, ne m'intéresse pas tant que ça. Donc, toi, ma 1080 fait encore le taf. Et elle fera le taf pendant un long moment, je pense. Encore. Qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai jeu iconique auquel il faut jouer. Bah déjà, ça dépend quel appareil. Enfin, ça dépend quel support.
Ça dépend quel genre. Ça dépend sur combien de temps. Un jeu PC. Mais quel genre? N'importe quel genre? Est-ce que tu dois bien avoir des jeux que... Les styles de jeux que tu préfères? T'imagines? Ah oui, va être la VR avec de la 970, ouais. Bah ça dépend, ça doit dépendre de la VR, non? Il y a vraiment... genre tous les jeux VR, il n'y en a pas un qui passe? Bah, je sais pas, je m'y connais pas en VR. Vu que ça me rend malade, malheureusement. Du coup, t'imagines bien que... Bon. C'est pas trop pour moi. Les grands jeux de l'histoire... Pff. Les grands jeux de l'histoire PC, je sais pas si je suis le meilleur. Je sais pas si je suis le meilleur. Bah, je serais un peu comme El Santanas à dire. Enfin, non, j'irais même plus loin. Moi, je dirais qu'il n'y en a pas. Et que bah, c'est déjà ça. Bon, malheureusement, ça va pas t'aider. Mais je dirais bien que. En gros, s'il y a un style de jeu que t'aimes bien, bon bah oui, il y a des jeux qui se sont sûrement plus vendus. De là, on en fait des incontournables, des jeux auxquels il faut absolument y jouer. Sur PC, il y aura tout le monde, t'auras toujours des gens qui diront bah déjà les GTA, bah il faut faire les GTA. Ils sont tous sortis sur PC. Mais sinon t'as les gros FPS. Tu veux mon level avant le boss? Oui, s'il te plaît. T'as les gros FPS qui tâchent. C'est vrai que t'as Dark Souls, ouais. Bah après Dark Souls, faut aimer. Hein. Ah, attendez, j'ai un message Discord sur ActuJV. J'ai fait un énorme bait. J'espère que c'est pas Bakayeb qui est parti pour me... Pour me débait. Ah, c'est lui. Ah non. Tout va bien. J'avoue, j'ai complètement craqué. Tout va bien. J'ai eu peur. J'ai honte d'avoir... C'est Quick Ben. Les Diablos? Oui, les Elder Scrolls, les Diablos, bah voilà, t'as même pas besoin peur, tu vois, que tu le... T'arrives à trouver les jeux par toi-même, en fait. Tes 3 persos, t'es level 29, mais pas impossible que j'ai un peu trop farm. Ok. Après, toi, tu joues en difficile. Donc voilà. Oh, magnifique. Magnifique. Ce petit ouais. Ah, bonjour Bakayeb. Non mais Bakayeb, j'avoue. Je me déclare moi-même coupable d'avoir balancé un petit en cloud égale pas de jeu. J'assume pas spécialement parce que bah, c'était nul. Mais j'avoue que les jeux cloud. Bon bah voilà. En plus j'aime pas FF7. LOL, drôle, blague, l'humour. Je suis vraiment très très drôle. Bonjour Paël. Pouette. Je veux faire une liste plus étoffée, surtout plus représentative de la génération avant moi. Mais quelle génération avant toi? Bah tu vois, regarde, ça y est, tu commences à discuter là. Donne-moi un nombre d'années là, tu vois, on va la faire ta liste. Hop. Bah ça va bien, ça va bien.
Bloodlines de Castlevania, bah c'est très très bien. Hein. C'est très très bien, je le connais trop. Bon, après je joue un peu plus difficile donc ça va, c'est cool. Je suis assez content de l'expérience que j'en ai. Mais je connais trop le jeu et donc du coup ben c'est pas que c'est pas fun mais je sens que j'y ai trop joué. Donc c'est il manque un truc quoi. C'est que tout. Bah plutôt les gens des années 80 ah donc 80-89. Ah les jeux des années 80-89 sur PC. Ah bah c'est pas moi qui va t'aider du coup. Si ça craque, chaud. Voilà bah c'est mort. Ah les gens, d'accord. Bah mais du coup, donne-moi une décennie. Une décennie. La décennie des jeux PC auxquels t'as pas joué. La décennie. Allez. Après bon je suis pas trop un joueur PC hein. De base hein. Je suis pas un joueur du tout hein, donc étant une fraude officielle. N'oublie pas que quand j'étais plus jeune, jeux vidéo bon. Mes parents, voilà, hein, on en a déjà parlé. Le début jusqu'à aujourd'hui. Oui bah des abonnés t'as qu'à le dire à mes parents toi aussi là-haut. Ouais je vais te donner leur adresse là. Ouais, je vais te donner leur numéro de téléphone là où je pense. Ouais le jeu lag de fou. De ouf malade. Je me désabonne de tes parents, pas de soucis. Je leur dirai. Mais tu dis les jeux PC, les jeux console, ça te fait rien? Ou c'est trop cher? Ou ça t'intéresse pas? Qu'est-ce qui se passe? Pas de console. Oui, alors ça j'ai cru comprendre, pas de console, mais pas de console. Tu souhaites pas de console ou pas de console parce que bon, bah t'as le PC quoi. Et en fait, le nouveau tatouage de Celia, ça rend bien. Oui, j'étais dubitatif parce que je l'avais pas vu dessus. Mais ouais, il rend bien, il est pas mal. Il est pas mal. Bon, là, elle dort, donc elle va pas vous le montrer, hein. Mais il est exactement comme. comme elle l'a. Bah, comme elle souhaitait. Paf! Fait du bruit. J'ai jamais joué sur console, mon cher, et jamais eu non plus. Du coup, je suis moins sensible aux jeux console. Genre, le jeu PC et jeu console, c'est un univers très assez différent. Oui! Oui, oui, oui. Oui. Après, tu sais, il va avoir un problème avec moi, c'est que. Moi, de base, je suis pas très jeu PC en plus, hein. Donc tu vois. Aïe. Et donc du coup, t'es sûr et certain qu'avec moi, bah je vais te dire bah le jeu PC, bah voilà, t'as les point and click, les FPS. Quelques jeux de gestion, des jeux de stratégie, et puis basta. Hein. Allez, salut!
Voilà. Il faut aller voir ses joufs pour ça, là. Va voir ses joufs, là. Lui, tu vas voir ses streams. Parfois, il fait... ou alors des dungeon crawlers, là. Il aime bien ce genre de truc, là. Ces trucs, là. Oui, les MMO, tiens, exactement. Trop bien. Paf. Tu en as la paire, SimCity. Ouais. Les anneaux, c'est vrai. C'est pas de m'occuper de faire un genre de rétrospective. Ouais, c'est pas de m'occuper, c'est de faire un genre de rétrospective. Ah non, non, t'as pas les is, non. Non, t'as pas les is. Va pas commencer à essayer de convertir tout le monde, Mr. Ruff. Laisse faire les gens. Laisse-les aller où ils veulent. On te connaît. Laisse-les tranquilles. À la base, c'est une série PC. Ouais, mais plus maintenant. Ça suffit, hein. Stop. Ouais, les is, c'est complètement inconnu chez nous, là. C'est bon. Il y a trois personnes dans le monde. À l'époque, il y avait trois personnes dans le monde qui jouaient et qui connaissaient, alors, hein. Dans 5 minutes, Mister F va dire, mais non, mais je suis japonais. Je suis japonais. Hop. Je me demande si je fais pas une bêtise là, retourner en arrière, mais je crois pas, hein. Je crois vraiment parce qu'on était bloqué. Je suis presque sûr, mais pas sûr. Comme on est en train de discuter et que Mr. Ruff il est en train encore de Mr. Ruffer. En plus, le truc c'est que là, Mr. Ruff, tu sais, vous savez ce qu'il fait? Il fait exactement ce qu'il faut pas faire quand il aime bien un jeu. C'est-à-dire que il aime bien une licence et tu sens tellement qu'il est possédé par la licence que dès que quelqu'un va dire quelque chose qui peut se rapprocher de Is, il va arriver et dire est-ce que vous connaissez Is? Hein? Non, parce que vous connaissez pas? Il faut absolument que je vous... Alors, venez. Vous connaissez pas? On dirait une secte, bordel, Mr. Ruff. Mince. Mais oui, c'est le vendeur de tapis qui vient chez toi, là. Ok, donc apparemment... Ah si, on peut faire. Laisse les gens découvrir. En plus, Is, mec, Is, je suis en train d'y jouer. Il y a plein de gens là dernièrement qui ont y joué. C'est bon, ton virus, tu l'as balancé. Tu l'as balancé à des gens. Is, tu le vois, regarde, il est là. Là. Si les gens sont intéressés, ils poseront la question. Ah, bon, je suis obligé de me moucher là parce que ça me met en PLS tout ça. Ah, je vais pleurer. Je chiale, bordel!
Easter egg, ouais. Bon, heureusement que c'est pas la 8e fois, voire la 10e fois que je l'entends avec Mr. Huff. Mais bon, on va dire que pour faire plaisir. Oh là là, cousin, c'est la première fois que quelqu'un sort ce jeu de mots. Ouh. Voilà, merci. Mais c'était sympa. Je peux même plus vu que je peux même plus regardez, mais il continue. Vous savez, il me fait penser à quoi parfois, Mr. Huff. Il me fait penser un peu aux gens que, enfin, tu leur dis. Enfin non. Bon, je vais vous raconter une anecdote. Allez, c'est parti. Ça fait plaisir. Alors. Je suis pas très film, je suis pas très cinéma. Pas que j'aime pas voir des films, c'est juste que j'y vais pas souvent. Parce que déjà ça coûte du pognon et comme ça coûte du pognon, faut avoir du pognon pour aller au cinéma, surtout si t'as envie d'aller au cinéma plusieurs fois par semaine. Bon, après si tu vois une fois par mois, une fois par an, voilà, mais bon. Si tu vas une fois par an au cinéma, je me dis que t'es pas très cinéma. Soit. Et du coup, comme je suis pas très film, je suis pas très film de super-héros. Voilà, parce que. Voilà, je suis pas très film de super-héros. Et dans mon entourage, j'ai des gens qui sont très. Mais quand je te dis très, ils sont. Très. Merci Frozen. Merci pour ton tiers 2. Je parle avec un nouveau clavier, un nouvel écran. Ah ouais? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Et du coup je continue. Je suis pas très oui, je suis pas très film super-héros. Et donc j'ai dans mes proches quelqu'un qui adore les super-héros. Vraiment Marvel, c'est sa vie quoi. Du coup, cette personne a voulu, comme je connaissais pas, comme les Avengers, les machins, tout ça, j'avais pas regardé il y a un petit moment de cela, limite dans ses yeux, elle a dû se dire, oh, quelqu'un de pur, je vais pouvoir la convertir, oh là là, amen tout ça. Du coup, elle m'a dit, ça tombe bien. On va se faire une petite. Ça te dérange pas de regarder 2-3 films? Moi je me suis dit, ouais, bon, allez, tu vois, je veux bien faire un effort. Moi je veux bien faire un effort, je veux bien essayer, tu vois, y a pas de problème. En plus, c'est quelqu'un que j'aime bien, donc go. On regarde, je sais plus ce qu'on a regardé, bref, on a regardé un film avec des super-héros. Et j'ai pas spécialement apprécié. Voilà, j'étais en mode ça pète dans tous les sens, ça fait boum pam pam bi, pam pam bim bim bam bam. Bon, voilà, ça m'a pas transporté. Et le truc, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit à cette personne, ça m'a pas transporté. Et là, la réaction que j'ai eue, typical. Mais genre, typical de chez typical, c'est... Ah ben voilà, mais fais un effort Mais attends, en plus il y en a plein, tu vas pas arrêter en plein milieu alors qu'il y en a d'autres, et en plus, juste derrière, va falloir regarder les autres pour comprendre un peu la suite, tu vois. Et je me suis dit... Ah non... Hein? Et je me suis dit, yes. En gros, j'ai accepté de regarder un film, mais derrière, il fallait que j'accepte de regarder toute la série. Sinon, je ne pouvais pas comprendre tous les autres films et... voilà. Du coup, je me suis fait engueuler parce que j'ai pas accepté de regarder tout. Alors, il y a un truc que je comprends pas. Je crois que j'ai pas suivi. Voilà, très bien. Et Mr. Huff, comme il est parti, c'est pas lui qui va m'expliquer. The Settlers, je connais.
Mais alors de là à dire que c'est iconique, je pourrais pas te dire. Et voilà, et tout ça pour dire que bah, comme t'aimes pas, ou alors que t'es pas trop dans le truc, on arrive et on te chope et on te dit viens regarder, sinon je te casse ta gueule. Et c'est chiant parce que bah. Ben oui. Non. Film Marvel, c'est une série TV mais avec des épisodes super longs et super chers. Oui. Mon ancien écran était une télé. Ouais, mon ancien clavier a une touche en moins. Yes. Est-ce qu'on peut monter par là? Non. Mais je comprends pas. Il est où, Mister Ruff? Je crois que je me suis perdu. Parce qu'il y a un truc de l'autre côté, j'ai l'impression. Non. Non, non, il n'y a rien de l'autre côté. J'ai pas envie. Je vais pas refaire le tour, hein. Non, non, je peux vraiment pas rentrer dedans. Ouais, Mister Ruff, reviens là. C'est bon, c'était pour rigoler là. Bref, tout ça pour dire que oui, bah, que ce soit avec les films Marvel ou avec Mister Ruff, rendez-vous compte, Mister Ruff n'est toujours pas satisfait parce qu'on n'a pas joué à tout, à toute sa foutue licence, voilà. Alors que sérieusement, quoi. Je crois qu'en chaîne Twitch faisant du his, on doit être dans le top 10, quoi. Mince. Si je compte le nombre de his que j'ai fait depuis his 7, j'en ai fait au moins 5 ou 6, voire même plus. J'ai fait plus de 80% de la série. Bordel. Ah, oh, je vais le choper, je vais l'étouffer. Amenez-le-moi. Amenez-le-moi, je vais l'étouffer. Non mais, par contre c'est chiant. Et le pire en plus, c'est que plus je fais des his, plus bah, je me rends compte que bah voilà, la formule his, c'est un peu comme la. Bah, vous savez, his, c'est comme Call of Duty. C'est la même chose à chaque fois. Il est pas là. Il va fallu que je. C'est bon, il a fallu que je balance cette bombe. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Il m'a obligé. Il y a un truc là. Ah! 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 J'ai compris. Je cherche pas le jeu iconique, je cherche des jeux qui ont marqué. Bon, t'en as donné plein là. Parfait. Tu t'en es donné toute seule? Ah bah yes. J'imagine que toutes les personnes qui ont écrit quelque chose sur le chat ils doivent se dire, ah bah yes, on l'a aidée, voilà comme elle nous remercie. Elle nous crache à la gueule comme ça, là. Bah yes, bravo, félicitations. Félicitations. Bah les boss. Non mais j'en suis sûr que K2, t'es d'accord avec moi. Hein, t'es d'accord avec moi. Mister Off, bah, il force, quoi. Mais on l'aime bien, mais moi je l'aime bien. Hein. Mais il force quoi, hein. Il force de ouf. On dirait. On dirait. On dirait Yellow avec Metroid quoi. Pour ceux qui ont eu des consoles, mon chéri, c'est pas son cas. Oui, non mais. Je comprends. Parce que certes, on est né dans cette génération, mais les jeux de n'importe quelle époque, on peut nous marquer. Je comprends. Bah, je comprends pas. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des tonnes. Moi, par exemple, j'ai été marqué par des trucs que sûrement d'autres on n'aurait rien à branler. Oui. Bah, si des jeux PC auxquels j'ai beaucoup joué plus jeune, c'était les Roller Coaster Tycoon.
Mais j'en ai joué à deux, et parce que juste avec ça, je vais pas te dire que c'est des jeux super connus. Si, j'ai joué à Delta Force, n'y joue pas. Et... Mais si, mais... voilà là. Voilà. Mais va sur GOG là, va sur GOG. On avait dit les Stronghold. Voilà, là regarde ce que tu fais là. Là pour, tu vas sur GOG. GOG. Et il y a tellement masse de vieux jeux PC. Notre serveur, Metroid Dread. Et bah vas-y là, vas-y. Vas-y. Alors par contre, n'écoute pas cousin, il est malade. Cousin, il est malade. Cousin, il est malade. Mais je veux pas des vieux jeux, je veux des jeux importants. Ah ouais, donc du coup, je veux pas des vieux jeux, mais des jeux importants. Et les deux en même temps, ça va pas. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est chaud ce qu'elle dit. Hein. Aïe, 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 aïe. Après, c'est à vous de voir, hein, mais. Je regrette là déjà. Moi, je déforme jamais. Ça m'est jamais arrivé de déformer quoi que ce soit. Je refuse. D'ailleurs, moi, je joue Co-Is, donc désolé. Alors, est-ce que Ketou m'a répondu? Non, elle n'a pas répondu! Aïe, aïe, aïe. Ouais, fais Portal 1 au Portal 2. Ouais, vas-y, fais les Portals, là, c'est bon. Tu fais Portal, Half-Life, et c'est terminé. Va jouer à TF2 aussi. Et... SimCity, ouais. J'aimerais bien rejouer à un SimCity. Je suis sûr que ça me plairait plus aujourd'hui, mais... Tiens, va jouer à Myst. Ouais, voilà, va jouer à Myst. Myst. Ah, pouet, 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 pouet. Ah, pouet, 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 pouet. Alors, Myst, il y a quoi d'autre? Je regarde. Je suis en train de regarder. Je prends mon temps. Ouais, non, mais Unreal Tournament, il y a déjà 8 personnes qui l'ont écrit sur le chat. Je vais pas le redire. Il y a Worms. Il y a Worms, hein, c'est un gros jeu PC, hein, voilà. Comment il s'appelle le jeu avec le lapin là? Le jeu, c'est pas Sonic, mais... Ah, comment il s'appelle déjà? Jazz Jack Rabbit, voilà, c'est ça. Oh, c'est un gros jeu PC, hein, bien sûr. Titi. Ah, pouette, pouette, pouette. Ouais, la Deluxe édition de Roller Coaster Tycoon se coûte 5 euros sur GOG. Ah si! Ah si, j'ai un gros jeu PC. Ah si, j'ai un gros jeu PC. À l'époque, vraiment, ce jeu, j'étais fou. J'étais fou. Il y a Doom 3. Ah, Doom 3, Doom 3, Doom. Ah, Doom 3, j'étais fou. Fou, 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 fou. Fou. Fou, doudou, doudou. Dou. Loulou, 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 loulou. Ah, c'est Soldier of Fortune. Faut pas y jouer. Y a Quake, ouais. Grim Fandango. Il y a des gens qui vont te dire Populous, Arx Fatalis. Ça y est, je commence à toucher le gros là. À toucher le gros. Pas le ventre mou, mais ça y est, on est dedans là, on est dedans. Les jeux PC là, c'est bon. Est-ce qu'on peut dire que Kozak, en termes de jeux de stratégie, est-ce que Kozak c'est des jeux connus? Je sais pas. Tiens. Je sais pas. Lemmings, ah oui.
Non, pas assez. C'est assez niche. Ah ouais? Oh, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Zach. Ah bah tiens, il est là, Jazz Jackrabbit. Il est là. Il est là, il est là. Sur GOG, il y a quand même masse de jeux. Il y a masse de jeux. Et en plus, ça coûte R. Ça coûte R. T'as pas beaucoup de thunas. Eh ben, t'as moyen de jouer à plein de trucs. Thème Hospital. Thème Hospital. Ouais, Flight Simulator, mais bon, t'as pas envie de jouer avec des. Peut-être pas envie de jouer avec des. Pas envie de jouer à Terra Flight Simulator, elle a pas envie. Et Command & Conquer, je viens de lire dans le chat, bien sûr. Bien entendu. Theme Park, oui, mine de rien. Voilà, Theme Park et Monkey Island, mais ça on en a déjà parlé, je crois. Je crois que c'est pas mal là, on est bien, on est bien. On s'en fait un dernier, un petit dernier là. Y en a pas un petit dernier là? Bon, y a un anneau là. Petit dernier. Petit dernier. Petit dernier, petit dernier, petit dernier, petit dernier. Et salut Arzatz. Ah, j'espère, peur que t'as pris des. Que t'as pris des notes là. Hein. Parce que bien entendu, tu nous fais perdre. Ah si! Les Hitman! Les Hitman. Les Hitman! Bien sûr, les Hitman. Mais bien entendu. Voilà. Perdre mon temps là! C'est de l'humour, bien entendu. J'adore l'humour. Another World? Non, non, personne n'y a envie d'y jouer, cousin. Arrête, hein! Cousin, tu arrêtes! Mets les doigts comme ça. Un Hitman, c'est plus de niche que Kozak, je trouve. Ah ouais, non, mais bon, c'est joufle. J'ai envie de capturer ce que t'as écrit, de le mettre sur tous les internets et de te faire bannir de Twitch. Hein. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Allez hop. Avec toute ta liste là, t'en as à peu près pour 20-30 ans, c'est sympa. Voilà. C'était ouf quand c'est sorti. Ouais, c'est ça ce que tu dis, cousin. C'était ouf quand c'est sorti, ouais. Voilà, c'est bon, t'as tout dit. Merci. Allez. Vite, la présence of un méchant. Il y a un méchant. Un oiseau. Oh, c'est un boss de Kirby, ça. Je reconnais. Allez. Pouette, pouette, pouette. La pouette, pouette, pouette. Pouette, 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 pouette. Pouette, 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 pouette. Pouette, 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 pouette. Putain, jette des œufs là. Oh l'enfer. Oh l'enfer. Oh, mais oh. Ouais. Oh, cette musique, mais cette musique quand même. Je m'excuserai, hein, mais bon. Ouais, non, mais on veut pas de tes paillassons, cousin, là. Laisse tranquille, laisse-nous tranquille. Tiens, je vais essayer de jouer avec avec lui. Juste pour voir. Voilà. Bah non, en fait, c'est bon.
Cousin, c'est lui ce boss que tu me disais qu'il était chiant ou pas? Parce que bon... Parce que je crois qu'il est chiant. Pas pour les mêmes, pas pour les bonnes raisons. Ah, putain. Ça y est, il m'a abandonné. Il m'a abandonné. Voilà, Mr. F m'a abandonné. Ça y est. Non, ça va lui encore. Parce qu'en fait, je lui ai fait un tiers de PV là. Je crois que j'ai trop bourré. J'ai trop bourré. Vas-y, tue. Tue! Trop bien, commence bien. Ah ouais. Très bien. Non. Bon, je suis désolé hein, pour ce combat de boss qui va durer un petit moment. Bloqué là? Non, c'est vrai. Mais je fais pas de dégâts. C'est pour ça que je fais pas de, c'est pour ça que ça va pas, c'est parce que je fais pas de dégâts. Elle descend. Mais par contre, pourquoi je fais pas de dégâts? J'ai farmé là! Mr. F, tu m'as menti! Je veux juste pouvoir faire mon ulti. Oh oui, oh, je vais lui faire mal. Ok, bah non, mais même pas. Je risque d'être lent à l'écrit, j'ai mes chats qui veulent des câlins, ça fait 2 mois qu'ils m'ont pas vu. Ouais, ouais, pas de soucis. Bon après tu sais, peur, tu sais, tu connais pas de jeux, beaucoup de jeux consoles,
tu peux tester aussi, hein. Tu sais, il y a... Ça se fait, hein. J'ai l'impression que... Tu veux des jeux PC, très bien. Mais il y a plein d'autres jeux, hein, ceux aussi, hein. Hein. Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ouais, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est à peine tenir une manette de Xbox. Non mais... Et du coup... Tu sens que tu n'y arriveras pas? Ça va pas être possible. Tu te sens pas de... Mais what? 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 J'ai acheté le meilleur équipement? Il me pose vraiment la question là. Est-ce que vous pensez qu'il me pose vraiment la question? J'arrive pas à savoir. Après ils sont tous en cailloux là. Ouais. Allez. Non. Donc je garde une fois. Mais non! Ah, qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Ah, des petits oiseaux, c'est pipou! C'est pipou! Oh, je suis en... Ah bon, pas énervé. C'est fou quand même, parce que je suis en train de me dire que jusqu'à maintenant, là, ça allait bien, et Mister Huff, tu vois, me Mister Huffait pas. Et là, j'ai un souci avec le boss, je lui ai posé la question et il vient de me yellow croquer à mort. Voilà. C'est fou quand même, hein. Tu baisses ta garde 2 secondes, c'est terminé. Encore une fois. C'est exceptionnel. Non mais tu m'as répondu à la question. Tu m'as répondu à la question vu que tu m'as demandé si j'avais acheté le bon équipement. Mais dans pas longtemps, je pense qu'il va me répondre là. Il va me demander si j'ai farmé aussi. T'as déjà joué un RPG au fait ou pas? Non, parce que c'est vrai qu'il faudrait demander. On sait jamais.
Ouais, ça va être terminé. Normalement, c'est bon, c'est gagné. Ouais, c'est bon. Ah, c'était vraiment pas agréable. C'est pas agréable parce que le boss était nul, hein, mais il bougeait trop. C'était trop le bordel. Non, mais c'est pas une question. Cette question, Mister Off, elle se pose pas. Tu poses pas ce genre de questions. Tu poses pas ce genre de questions. Tu dis, c'est comme Yellow qui me disait ah oui, non, mais là, faut bien jouer. Quelle indignité. Quelle indignité. Ouais, si t'es nul en même temps, bah ouais, c'est peut-être pas fait pour toi ce jeu, hein. Faut peut-être jouer à un autre jeu. Hein. Ouais. Bah là j'ai utilisé quand même 4-5 objets. Donc ouais. Donc c'était pas mal. C'est des objets que j'aurais préféré utiliser pendant les derniers boss parce que c'était des gros objets. Ils doivent coûter cher les objets que j'utilisais. Donc c'est un peu embêtant. Mais c'est pas grave. Fallait bien les utiliser, ils sont faits pour ça. Voilà. Oui, mais la collectionnite, mais ça c'était des gros. C'était des gros. C'était des gros. Genre là, j'ai utilisé les herbes qui me redonnent 500 PV à tout le monde parce que là, ce qui était chiant, c'est que le boss avait la possibilité de pétrifier mes coéquipiers, ce qui faisait que mes coéquipiers déjà qui faisaient pas beaucoup de dégâts parce que l'oiseau il bougeait dans tous les sens, bah là ils étaient pétrifiés. Dès que moi j'étais pétrifié, c'était le bordel. En plus, ils volaient dans tous les sens, ils faisaient péter ses bombes là. Du coup, bah le pattern était difficile à lire. Bref, j'étais dans la sauce, j'étais en mode au secours, et je dis ouais, Mister F, au secours! Et il est en mode attends, mais je suis avec mes chats, je suis occupé, oui, attends, mais dites-lui que j'arrive, hein! Dites-lui que j'arrive! Et juste après, est-ce qu'il a essayé de redémarrer la box? Débranche la box! Je me dis, hein. Franchement, parfois ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Ah, donc le monde va mal, hein. Elle le dit. Hein. Il a été ce pauvre oiseau qui a été, eh bien, comment on dit, infecté. Retire les cartouches, ouais. Sinon, tu veux un tip spoiler? Non, 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 là c'est bon. J'ai pas envie que tu m'aides après que j'ai terminé. Parce que je risque de mal le prendre. Mais attention! C'est pas valable uniquement pour ce boss là. Ouais, mais non, parce que je sens que ce que tu vas dire, ça va pas me plaire. Et je sens que ce que tu vas dire, enfin, soit ça va pas me plaire, soit c'est quelque chose que je sais déjà. Et que j'ai soit déjà fait, soit essayé, mais bon, bref, voilà. Et je sens qu'il va se passer un truc du genre. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le pif. Et comme vous en avez tous un également, on sait jamais. Cette phrase n'allait nulle part, désolé.
Non, je voulais pas revenir, je voulais juste tester un truc. Allez. Donc là, quel va être mon pouvoir? Un pif de momine, ouais. Yes. Un pif de pardieu, comme on l'appelle. Donc nous sommes dans le, devant l'hôtel, peut-être que on va nous dire un truc de fou. Mais bon, vas-y, là, en fait, vas-y, Mr. F, balance, là, balance ton tips, là, c'est bon, je suis en train de me dire que j'ai envie d'écouter, parce que s'il me le dit pas maintenant, et qu'il me le dit dans 8 heures, et que je me rends compte que s'il me l'avait dit maintenant, je m'en serais peut-être mieux sorti que dans 8 heures, et que dans 8 heures, en fait, c'était un tips important qu'il aurait dû me dire, qu'il aurait pas dû me demander, en fait, s'il devait pas me spoiler, bref, vas-y, balance! Ça y est, là, ça va pas, je me gratte, là, je commence à avoir de l'eczéma, là, ça y est. Ah! J'ai des plaques, pas de l'eczéma, mais j'ai des plaques. Des plaques de stress. Voilà, donc elle nous raconte. Elle nous raconte. Souvent, tu as un anneau drop. Ah, je vais le taper. C'est bon, je vais le taper. Parfait, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Il a rien écouté. Il a rien écouté. C'est genre parfait. Parfait. Juste avant le stream, juste avant d'arriver devant le boss, j'ai dit que je voulais revenir bien en arrière pour récupérer tous les objets, parce que souvent il y a des objets, genre comme avec le Heavy Statue, t'avais un objet qui te permettait d'éviter d'avoir le Heavy Statue, et t'avais un autre truc, c'était le poison, et j'en parlais, il a rien écouté. Il vient de me faire encore une Yellow Croc devant tout le monde. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Même foutu combat. Les mecs qui regardent pas le stream, c'est pas grave. Parce que c'est pas grave de pas regarder le stream. Mais après, quand ils voient que j'ai le moins de soucis, ils sont en mode oui, sapin. Oui, je peux t'aider. Donc, alors, carré, c'est l'attaque légère. Je sais pas si t'as vu, mais avec croix, tu peux faire des esquives. Voilà, alors il semblerait, je crois aussi, que le D-pad soit pour bouger ton personnage. Et puis bon, voilà, je crois que c'est déjà pas mal. N'oublie pas de faire des pauses toutes les heures, hein. Voilà. Ça va, vous? Moi, ça va. Ça va, ça va. L'envie de canner est exceptionnelle. C'est fou quand même. Là, Yellow, il est pas là aujourd'hui. Parce que. Enfin, ce matin, parce qu'il joue à son foutu jeu de ses morts. D'ailleurs, je suis assez vexé parce que j'aurais bien apprécié que monsieur passe avant de. Avant de se droguer sur la place publique devant la FNAC, voilà. Mais non, j'aurais même pas le droit d'avoir un tout petit peu, voilà. Monsieur a préféré nous oublier. Mais c'est pas grave, parce que. Parce que le dieu de Twitch m'a envoyé Mr. Huff qui a les mêmes capacités. Il est trop fort. Sinon, je trouve que ça passe pas et que tu as les meilleurs équipements synthétisés, faut grind un peu. Oui, bah ça, oui.
Tu sais pas me quoi dire. Mais en fait, dans l'idée, Mister, je te demandais pas de me faire le boss, je te demandais juste si tu y avait un truc, quoi. Si, genre, s'il y avait peut-être un truc que tu m'avais. Que tu vois, peut-être que ce boss, il est juste compliqué. Ça arrive, hein. C'est comme dans No More Heroes. Parfois, il y a des boss compliqués. C'est la vie. Mais enfin, ne reparlons pas de No More Heroes. Depuis que Pseudoless m'a montré la voie, j'ai changé. Je suis devenu un autre homme, sûr. D'ailleurs, j'ai tellement changé que. Et là, je vais me moucher parce qu'il faut que je pleure un peu là. Les émotions, faut que ça sorte. Ouais, faut que ça sorte là, faut que ça sorte. Et bonjour, Zul'Galibur. J'ai l'impression que j'ai un rhume. Ouais, je suis en train de choper un rhume là. C'est pas cool ça. Il a été noté, NMH? Non, parce que je l'ai pas terminé. Donc pas noté. Bonjour Nîmes. Ok. Juste, je regarde le mot RE là, parce que je savais pas exactement ce que ça voulait dire. Je sais pas ce que ça veut dire en fait, voilà, c'est bon. Et j'ai l'info. Au secours. C'est pas un rhume? Ouais. Ouh. Ah, très bien. Mouche-toi, mais si je l'ai fait et ça ne change rien, c'est j'ai toujours là le toujours encombré là. Tu m'encombres, Mister F, tu m'encombres. On a toujours pas l'histoire du jeu, hein, en fait. Hein. On a toujours rien. On a toujours R. Il se passe rien. Il se passe R. Je traduis. Pour ça, vous avez deux fois la même chose. D'accord. Donc là, oui, pour nous apprendre l'histoire, elle nous demande de revenir en arrière et de faire le chemin arrière. Ouais, t'inquiète pas. Si on rentre pas chez elle, elle nous raconte pas l'histoire. Ah, très bien. C'est bon. L'histoire du jeu. C'est comme Pierre Solar. Ah oui, Mister Ruff, t'étais pas là la dernière fois quand j'ai comparé East7 à Pierre Solar. Ah, merde, j'ai appuyé sur le bouton. Pardon. T'étais pas là. Parce que l'histoire du jeu, bon. Voilà quoi. Ah, ah. Donc là, elle nous dit que dernièrement, enfin, dans les dernières décennies, bon bah c'est la merde. Et ils savent pas pourquoi. Ils appellent ça des anomalies. Moi, je connais bien les anomalies. Je peux toutes vous les lister. Il était pas là quand j'ai comparé Is à Call of. Ouais, c'est vrai, il était pas là non plus. Mais là, il écoute plus, c'est bon, il allait donner à manger à ses chats là. C'est terminé. Vous inquiétez pas, quand il va revenir, il va me demander si j'ai synthétisé ou si j'ai acheté le dernier équipement. Vous inquiétez pas. Ça va être bien. Donc apparemment, tout ce zbeul
C'est à cause de quelque chose qui s'est passé il y a 200 ans. Il y a des sectes, bon, des tribus, mais on va appeler ça des sectes. Qui représentaient chaque dieu dragon. Voilà. Donc là, elle nous énumère les sectes, enfin le nom des sectes. Et qu'apparemment, il y a une des sectes qui amenait comment dire, l'équilibre. Et apparemment, et j'imagine que celle-ci, il a dû se passer quelque chose. Ça a tout pété. Voilà, il y a 200 ans, il y en a deux qui ont deux des deux tribus ont disparu. Enfin, deux, je sais pas si c'était des représentants, bref, un truc comme ça. Mais de toute façon, j'espère le jeu qui va pas nous faire le coup de on s'est baladé pendant 15 heures pour qu'au final on aille sur l'île qu'on a vue depuis le début et qu'on s'est dit ah, c'est bizarre que cette île depuis qu'il y a eu le tremblement de terre comme ça pouf, c'est sorti de l'eau. Il a dû se passer quelque chose. Oh là là, j'espère que c'est pas ça parce que c'est devant nos yeux depuis le début, même Doggy, il a dit qu'il voudrait y aller. Voilà. Parce que ça serait encore pire que Pierre Solar. J'ai bien dit pire. Je sais. Snoop Doggy Dogg, là, il voulait faire un petit concert, ouais. Tu te rends compte? Est-ce que t'as entendu pire que Pierre Solar? En termes d'intrigue, hein, bien sûr. Bien entendu. Pire. Je connais pas le jeu, mais clairement, il va falloir aller sur cette île à un moment. Je vois pas comment y couper. Oui, non, mais bien sûr! Mais j'ai pas envie d'aller à la fin du jeu. Parce que ça voudrait dire que tout ce qu'on a fait avant ne servait à rien. On est juste allé récupérer le pouvoir de tous les dieux. Enfin, ce qui est chiant, c'est un peu comme si on jouait à Zelda. Sauf que là, tu remplaces l'intrigue de Zelda, des jeux de Zelda, ou des jeux Zelda qui sont assez. Sont une sorte de comment on appelle ça? D'initiation du héros pour à la fin clacos un petit Ganon. Vaganon. Ganon. Et le problème, c'est que ce qui est bien. Enfin, non. Il n'y a pas de problème dans The Legend of Zelda parce que. Le gameplay, enfin, tu joues pas au jeu pour l'intrigue, très rarement. Et le gameplay est vraiment bon. Alors que dans Is, ce qui est un peu embêtant, c'est que même si le gameplay est important, bah, il est beaucoup moins varié qu'un jeu comme The Legend of Zelda. Et les cinématiques. La narration, elle est plus. Voilà, elle est un peu plus mastoc. Parce que, bah, ils ont décidé. Mais si c'est pour que ça soit aussi intéressant que une histoire que tu peux écrire sur un post-it, bon, voilà. Et c'est ça qui est chiant, c'est que. C'est comme si. Ça donne l'impression, hein, j'ai bien dit, ça donne l'impression qu'ils ont pas grand-chose à raconter, mais malgré tout. Ils vont essayer de t'étirer à mort quelque chose, enfin une histoire pas très intéressante. Et voilà. Et là, bah bien sûr, Mister Ruff vient de faire une Yellow Croc, c'est-à-dire que j'ai balancé tout et il n'était pas là, il écoutait pas. La base, non, mais vous inquiétez pas, hein, c'est ma vie, vis ma vie. Vis ma vie de streamer, chaque jour c'est comme ça. Chaque jour c'est comme ça. Le pire, encore une fois, c'est que c'est toujours les mêmes, ils font toujours la même chose et ils ne changent pas. Ils reproduisent la même truc, ils reproduisent les mêmes choses et ils se posent des questions après plus tard. Ils se disent, tiens, je comprends pas pourquoi Sapin il me parle comme ça quand même. Ah, oh, j'ai dû faire quelque chose un jour. Ah. Oh.
Ah ouais, non, mais. Oui, non, mais pas de tourbette. T'inquiète pas. Toi, tu m'envoies tes neveux. Yellow, il m'envoie sa cuisine. Ainsi que ses obligations. Vis-à-vis de son taf. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème, encore une fois. C'est pas ça. Bon, du coup, là, notre chère. Comment elle s'appelle déjà? Paisha. Non. Elle s'appelle pas Musashi, mais elle s'appelle comment? Ah, Mishira. Mishira nous a dit que malheureusement, nous ne pouvons pas. Nous ne connaissons pas un peu tout ça. Nous n'avons pas tous les. Comment dire? Toutes les pièces du puzzle pour comprendre l'histoire. Du coup, il faut aller chercher le dernier dragon afin de peut-être d'avoir le fin mot. Je demande à voir Sapin s'occuper de Gosse. Bah, je m'en suis, je j'ai déjà fait ça. Hein. Déjà d'une parce que ma mère elle est assistante maternelle et parce que bah. Quand je vivais encore chez mes parents, bah, il y avait plein de gosses et du coup, bah, parfois, ma mère, elle me laissait les gosses et parce que j'ai fait du babysitting quand j'étais à la fac, parce qu'il fallait gagner du pognon. Et ça va, moi, j'ai pas de problème avec les enfants. Hein. En fait, ce qui est bien avec les enfants, c'est que tu sais que c'est des enfants. Là, le problème avec bah, les Mister Ruff, les Yellow Croc, les Yoritomo, Enko, c'est que c'est pas des enfants. Donc, comme c'est pas des enfants, quand tu leur parles et quand tu leur dis des trucs, ils comprennent. Et du coup, ils font sciemment. Sciemment, ils se disent ah, oh, désolé, j'étais pas là. Ah, oh, oula, ah. Alors qu'un enfant, ça passe, tu vois. Ça passe. Alors, quand t'as 35 ans, bon. Un peu compliqué. Ah, donc là, Michira nous dit que l'altar. Et là, écoutez, hein, je l'avais call depuis le début. L'altar, le dernier altar, il se trouve sur, il se trouve au premier, à la première ville. Et le vieux enfin le vieux qui doit peut me donner des informations, c'est le roi. Qui? Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Bah, envoie-moi un MP Discord, dans ce cas, je t'y répondrai, mais t'inquiète, je vais aller voir la VOD pour te répondre. Non, mais. Oh là là. Oh là là. Ça y est, ça remonte là. C'est le rhume qui remonte. Comme c'est pas des enfants, tu peux pas les mettre au coin. Bah ouais. Il a raison, bah, tu peux pas les engueuler, tu vois. Un gosse, tu peux lui dire arrête, arrête d'être bête. Sauf que si je regarde Yellow et je fais arrête d'être bête, bah, lui, il va me faire il va parler comme un enfant, il va dire je fais ce que je veux. Je suis majeur et vacciné. Voilà. Alors qu'un enfant, on va te dire ça, tu vois. Ben. Je lèche la barre de métro si je veux. Et donc on va retourner voir le roi. Et j'imagine que ça va pas être si facile. Le roi, vu qu'il est malade, il va avoir un. Il va se passer quelque chose, on va arriver, il va se passer quelque chose, c'est sûr. Donc elle va pas nous suivre. Si j'ai bien compris, dans le jeu, tu chopes, enfin t'as des nouveaux persos, mais après ces nouveaux persos partent dès que t'as fait le donjon. Je trouve ça un peu dommage, parce que ça varie le gameplay, mais parfois il y a des persos. Enfin, moi j'avais bien aimé le Mustapha avec son gros maillet, mais on peut pas le jouer.
peut pas continuer de le jouer. C'est un peu dommage. Pareil, les quêtes. Les quêtes, bah... Je sais pas, pourtant j'ai parlé à enfin j'ai essayé de, j'ai pas parlé à tout le monde, mais il n'y a pas, il y a personne qui m'a proposé une quête. C'est dommage. Non mais j'ai bien acheté tout ce que je pouvais acheter. Là maintenant je vais pouvoir peut-être synthétiser les nouvelles armes que je pouvais pas synthétiser tout à l'heure. Ah non, j'ai tout acheté. Non, j'ai pas tout acheté. Enfin, je peux faire la Godidaguerre. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais pas les acheter maintenant. Je vais retourner à la... Comment ça s'appelle déjà? Altago City, ouais. Et voilà quoi. Et on va se moucher, bien sûr. Alors, Sev n'est pas là. Shishi n'est pas là. Et vous savez très bien ce qui va se passer. C'est que comme ils ne sont pas là, on va aller bien voir si on peut taper le dino, parce que bah oui, hop, je crois pas que le dino soit là, le dino est avant, hein. Hop, et du coup Sev, normalement vous allez voir, elle va arriver pile après qu'on a tapé le dino. Ah, ça, il n'y avait rien à faire avec ça. Okay. Ouais. Hop. C'est pas là. Mais ça sera loin d'être un mauvais jeu, Is. Hein. C'est juste que là, tout dépendra de comment ça va avancer. J'hésite. Pour la note, j'hésite encore. Hein. J'hésite encore. Mon impression est... Je suis encore dans le vert, mais je sens que ça va aller dans l'orange dans pas longtemps. Je sens que le jeu, il va avoir une note orange. Pas parce qu'il est mauvais... Mais mes attentes étaient et devaient être trop élevées par rapport à ce que le jeu propose. Et c'est dommage. J'en ai attendu peut-être un tout petit peu trop. Et là, je me suis fait baito. Attention. C'est le dino. C'est chiant qu'il me repropose la quête, par contre. Tu m'as déjà proposé la quête, hein, monsieur. Oh, je lui fais des dégâts! Je lui fais des dégâts! Incroyable! Je lui fais des dégâts! Par contre, il fait très très mal.
Je sais pas si je devrais essayer de taper. Oh là là, mais elle va tellement être déçue, Sève. Là, c'est... Je la vois déjà. Bon, après, il est pas très compliqué. Il a pas l'air d'être très compliqué comme boss. Hein. Il est très lent. Il a quelques attaques, pas plus. Ça va être lent. Bon, je sais pas si je le fais. Mais après, sa barre elle va augmenter assez vite. Sa barre de stun augmente assez vite, donc ça va. Allez. C'est bon. Je viens de voir le message de 8 km de Mr. Huff. On en a pour 20 ans. Et il continue, il s'arrêtera pas, là là. Je pense que elle fait pas assez de dégâts. Genre vraiment pas assez de dégâts. Bon, après, ce qui est bien, c'est que là, il me permet de charger. Hop. Bonjour, Yellow. Ah, mais il fait pas de dégâts, lui aussi. Ah là là, en fait, il y a que Adol qui fait des dégâts. Aïe, 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 aïe. Je sais pas comment je fais, là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Je suis presque à moitié de dégâts, enfin à moitié. Hein. Je crois que je peux le revive. Revive fallen enemies. Allies, pardon, pas enemies. À chaque fois je dis ça. Ça me donne 150. Allez. Je te lis après, hein, bien sûr. Comme toujours. J'espère que cette quête secondaire va me donner masse de trucs. Tweet. Bon, c'est bon, t'as lancé ton jeu, ce gami. C'est bon, tu t'es rendu compte que c'est la même chose. Ah non, je suis nul. Ah ouais, non, là, mec, t'es nul. Hein. Non, mais attends, arrête d'écrire des messages, Mr. Huff, bordel. Je les ai même pas lus. Oh là là, j'ai tenté de just guard, j'aurais pas dû. Avant de foutre la cartouche, j'ai mis le stream. Ah bon ? Ah, moi je pense que t'étais déjà en train de jouer. Mais attends, mais t'es si loin de la Fnac ? Ah, j'étais tellement sûr que tu. Que t'étais en train de jouer déjà ? Oh là là, tu vois, j'ai. J'ai cru que tu m'avais abandonné.
En fait, c'est tellement bien de faire ce que je fais. Parce que c'est juste long. Une heure de route. Ah ouais. Ok. Ok, non, mais je me rends pas compte. Étant un citadin, bien entendu. Foutu citadin. Non mais arrête d'être mauvais. Je suis en train de perdre tous mes PV. Mes messages sont aussi longs et chiants qu'un boss de Ys7. Ah, trop bien. Ah, il est bientôt terminé. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer... On va récupérer Adol. Non. Là. Voilà. Le dino poubelle. Bon, par contre, c'était pas très intéressant en termes de combat de boss. On va pas se mentir. J'espère que c'est intéressant ce que j'ai chopé. Dragon Orb. Ah, c'est ce qui va permettre d'ouvrir les sortes de portes là. J'ai juste un appart à Nancy, juste la Switch était dans les Vosges. Ah. Ah. Ah mais attends, hein. Attends, mais je comprends pas. T'as plusieurs. T'as une maison et un appart? Hello Natural Elf Recovery in Various Places. Ah bon? Ah, c'est juste ça? Oh là là, la déception! Oh, la méga déception! Bon, allez, on va dire le message de Mr. Oeuf, je me prépare. Bon, je suis prêt. Donc. Bon, du coup, tu voulais que je te dise quoi? Que je m'énerve par rapport au fait que tu as comparé le jeu à Pierre Solar ou Call of. Quoi, histoire pas folle. Et même si elle est. Même s'il y a quelques dialogues qui m'ont beaucoup fait rire, le jeu est pas facile. Il va te demander du farm parfois un peu trop, comme souvent dans les X. Ça me dérange peu. Ys7 après l'heure finie, il était sympa, mais ok. Même les musiques, j'ai trouvé moins cool que d'habitude. Après le système de combat et un bon ajout dans cet opus, il est encore trop brut et, assez... et pas assez pollué. Ouais. Voilà. Ah bah oui. Non, si c'est pas vraiment dans les Vosges, si, j'ai un minuscule appart à Nancy et la maison familiale. Ah, la maison familiale, d'accord. Oh, oui, bah pas de soucis. Non, mais je pensais que t'étais riche, bien sûr. Bon, toutes les personnes qui ont des maisons, moi, ils sont riches. En tant bien sûr que citadin, c'est normal. N'ayant jamais vécu dans une maison, dès que je vois une maison, je fais waouh. Après un point qui m'a bien saoulé dans le jeu et qui m'a donné l'impression que le jeu te disait joue mieux, c'est le très faible nombre de frames d'un vu. Ouais, c'est vrai. Avec l'insupportable stun, c'est vrai. Parfois tu vas te retrouver bonk sur un dégât, te faire stun, reprendre des dégâts presque en boucle pendant un demi de ta santé. Ouais. Sur un demi de ta santé. Et perdre un demi de ta santé. Eh. Très bien. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que. Parce que il semblerait, si je comprends bien ce que tu es en train de. De dire, Mr. F, que encore une fois, pour la 800e fois, sans demander à bourrer dans celui-ci, j'ai mis le compte en. Ce qu'on compte du hard, peut-être que. Vous voyez, oui, perso, j'ai utilisé presque tous mes consommables à chaque fois. Oui, pardon, j'ai pas lu ce message-là. C'est peut-être pas le meilleur is, pour plein de raisons. Et il est. C'est vrai qu'il fait très brut. En fait, c'est même pas qu'il fait très brut, mais. C'est pas un problème, enfin, si, il fait très brut, ça c'est sûr. Et c'est tout, non en fait c'est tout. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire à part le fait qu'il fait brut. Brut, brut, brut. Hmm.
bah on va acheter les armes, hein. Ah, j'aurais pu les acheter avant de faire le boss, mais bon. J'aime vivre dangereusement, vous savez. Bracelet. Ouais, bon. Pour 4 de défense, hein. J'ai 162 000 encore. Je viens de voir la deal des bordures de la Switch OLED et c'est quand même pas... Oui, oui, c'est quand même pas mal, hein, Nîmes. Mais tu sais pourquoi cet après-midi je vais... c'est pourquoi je vais à la... Je sors, hein, c'est parce que j'aimerais bien l'avoir dans les mains, en fait. J'aimerais juste l'avoir également. Bien sûr, pour acheter le jeu, mais pour également, j'aimerais bien... Pour, voilà, juste voir avec les yeux, et puis c'était... Enfin, oui, voir avec les yeux. Je veux palper, là. Je veux palper. Laissez-moi palper. Poussez-vous. C'est tout. J'ai aussi le sentiment que je te disais pas tout. Je pense vraiment qu'il y a un système que j'ai pas compris dans le jeu. C'est quel système? Quoi? Quoi, 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 quoi? Exactement, Saster. Voir avec mes yeux et descendre en bas. Merci. Tu dis ce que je pense... tu dis tout haut ce que je pense tout bas. Merci. D'accord. Très bien. Il va à la Fnac pour... Oui. Non, je peux acheter Metroid Dread. Pourquoi? Pourquoi je l'achèterais? Je l'ai en émulation. En 4K, soit en 4K 120 FPS. Pouah. Attendez. Moi, je suis déjà dans le futur. Alors, on va aller voir Tia et Maya. En espérant qu'il n'y ait pas eu de problème. J'appelle la police. Ah ouais, non, mais là, police. Hein. Police. Mais c'est dommage quand même que Mr. Huff, tu sois tant d'accord avec moi, parce que quand on a parlé de tous les jeux Is, je me rappelle pas, hein, que t'aies parlé du 7. Je me rappelle pas. Et il a fallu encore que je fasse la pire version, tu vois, si Axeran il était là, il ferait la pire version. Le pire jeu. Eh ouais. J'ai un super pouvoir, j'ai vraiment un super pouvoir quand même. Et mon super pouvoir, bah il est super. Hop. Sinon il y a un point qui m'a fait souffler à la fin du jeu, je me dis que c'est important pour le stream. Mais d'un autre côté c'est vraiment spoilé, j'attendrais que tu sois un peu plus loin pour décider de demander... Ah bah bravo ça, ah, trop bien. Trop bien. Bah allez, vas-y, balance. C'est trop tard, balance. C'est bon, parce qu'on a vu comment le jeu se passe, allez. Crash! Crash! Ah d'accord, en fait, elle voulait juste tirer... Ah, très bien. Elle voulait juste ses couettes. C'est une enfant. Ah non, si je te balance là, ça va te spoil juste des points vers la fin du jeu. Mais alors pourquoi tu te dis? Et c'est loin? C'est genre dans 3-4 streams. Tu n'es pas encore tout à fait là. Je suis pas encore à la moitié du jeu. Quoi? Mais tu m'as dit que c'était 20h le jeu?
Là, je suis à 15. Ah non, hein. Ah non, non, vous allez pas me la refaire, celle-ci, hein. Je t'ai dit que j'étais parti, c'était 27 heures. Oui, toi, tu avais l'air d'avoir fait 27 heures, mais il n'y avait pas que toi. Et la moyenne, c'était, bon, allez, 20, 22, 23, grand max. Et c'était au moment où on avait regardé How Long To Beat, là. Et sur How Long To Beat, je crois que c'était 20 heures, même pas. Et je m'étais dit, bon, on double. Non, voilà, c'était 20, c'est 22, 23. En fait, ce qui s'est passé, je me rappelle très bien, ça y est, je me rappelle. J'ai regardé, j'ai fait de toute façon, à Long To Beat, je regarde pas, je double le temps, c'est 46 heures. Et toi, t'es arrivé avec je ne sais plus qui sur le chat, et t'as dit non, 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 mais celui-ci, il est court. Celui-ci, il est court, c'est une vingtaine d'heures, et je fais ah bon. Et on me dit oui, 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 oui. Bon, après, il est vrai que la dernière session, j'ai beaucoup été en mode je ne joue pas, et voilà, certes. Mais bon. C'est parce que on m'a dit non, mais il est court, enfin il est pas si long que ça, pardon, que faut pas t'attendre, oui. Ouais, donc voilà, j'avais raison. Encore une fois, j'avais raison. Moi, de toute façon, vu comment ça va avancer, on va trouver un remède pour sauver là, les gens là, qui ont la fièvre et puis qui sont malades. Et puis voilà. Maya, on va la sauver, elle va pas mourir hein, de toute façon, tu sais, Ivan. C'est sûr et c'est sûr. Ah non, mais Cordan, c'est... Alors, je sais pas, tu dis dans quel sens tu dis cette dépression, mais. À chaque fois que je fais un jeu, ça se passe de la même manière. Je devrais écrire un bouquin et je devrais appeler ce bouquin tutoriel pour... Enfin, même pas tutoriel, mais... C'est la... Comment on appelle ça? Le... Mince. Ah, je l'ai pas. Bon, bah... C'est pas grave, même si je l'ai pas, je vais le dire autrement. On vit toujours les mêmes choses. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et on commence par... Le jeu démarre, ça va bien, poupidoup, voilà. Il y a 2-3 personnes qui connaissent le jeu, ils sont en mode « Oh, tu vas voir, ça va être cool, tout ça. » On avance, on rencontre les premiers éléments perturbateurs. Le jeu est finalement pas comme on l'attendait. Les gens qui ont joué au jeu, ils se rappellent pas très bien. Ils ont joué il y a longtemps, donc ils m'ont donné des informations, mais c'est pas trop des bonnes informations. Du coup, je commence à douter. Je me dis « Ah merde, attendez, quoi ?» Puis plus on avance, plus on se rend compte que soit le jeu il est trop long, soit le jeu il est trop court, soit il y a des choses qui vont pas. Les gens qui ont commencé à faire le jeu, ils commencent à soit être agressifs, soit dire « Non, mais en fait, le jeu il est bien, bah oui, le jeu il est bien, bref. » Et moi je m'énerve, je commence à faire des... je commence à expliquer ce qui va pas et vous voyez par vous-même aussi soit ce qui va, soit ce qui va pas, parce que parfois ça va bien. Oui, c'est vrai, parfois. Et on en arrive à la fin où soit ça se termine, soit ça se tasse, et puis on s'énerve et puis on passe à autre chose, quoi. Enfin, on s'énerve pas, on laisse tomber, on passe à autre chose. Ah là là. Mais t'as toujours ces moments-là, hein. T'as toujours ces moments. Et le truc, c'est que je devrais faire des captures ou alors des clips. Et on appellerait ces clips une sorte de... C'est un peu les exemples.
C'est en gros les moments où on dit attention. Ça, c'est l'exemple typique d'une situation, d'un jeu auquel je joue. Typique, ouais. Enfin, une situation qu'on vit chaque jeu. À chaque jeu. Ah, mais oui, non, mais je parle pas de toi, Cordon. T'inquiète pas, je sais que t'es pas énervé. Hein. T'inquiète, t'inquiète. Mais j'aimerais bien, j'aimerais vraiment que. J'aimerais bien ne pas vivre le même jour, les mêmes choses, tout le temps. Et le pire dans tout ça, c'est que d'une, j'ai l'impression de vivre ça tout le temps, et de deux, les personnes qui se disent « Non, mais t'inquiète, là c'est différent », bah c'est jamais différent. Et ils se rendent pas compte. Et quand le jeu est terminé, ils arrivent à oublier ce qui s'est passé et refaire exactement les mêmes erreurs. Bon, là, tu vas me dire, bah, Sapin, tu fais exactement les mêmes aussi. Oui. J'ai pas d'excuses, là, par contre. Ah là 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 là. Bah, c'est un peu comme une série avec... c'est un peu comme une série avec plein de saisons. Au final, les épisodes filler, c'est toujours les mêmes. Mais toutes ces personnes sont de bonne foi. Alors... Oui et non. Oui, ils sont de bonne foi parce que je pense qu'ils mentent jamais. Mais le truc, c'est qu'il y a, tu sais, il y a ce côté, ils se remettent jamais en question et ils se remettent en question que quand ils sont au dos au mur. Et quand ils sont au dos au mur et qu'ils se remettent en question, ils se remettent en question que pour une chose. Enfin, ils se remettent pas eux en question, ils remettent en question leurs souvenirs plutôt. Parce que se remettre en question, c'est différent. Sauf que, enfin, c'est pas ce que je leur demande. Et comme ils remettent en question leurs souvenirs, bah, c'est un souvenir. Sauf que, moi j'aimerais bien que ces personnes parfois se rendent compte que ce souvenir-là, il n'y a pas que ce souvenir qui est biaisé. Il y a une chance que d'autres souvenirs, d'autres jeux, soient aussi biaisés. Ou alors, pas biaisés, mais c'est pas grave de ne pas se rappeler. Moi je me rappelle pas de grand, enfin pas de grand-chose, mais 99% du temps, ce que j'avance sur un jeu auquel j'ai joué plus jeune, ça se révèle faux. Ou soit ça se révèle faux, soit bah, je me rends compte que j'ai mal joué, ou alors que j'ai mal fait quelque chose, ou bref. Parce que je sais très bien que mon moi du passé, bah voilà, on n'avait pas les mêmes... J'avais pas les mêmes... Les mêmes attentes, la même manière de jouer. Que c'est plus simple, c'est plus de recommander un jeu et d'éviter de venir quand on connaît le jeu. Bah non, bah dans ce cas-là, on va faire un autre truc. Le plus simple, ça serait de quitter le stream, done sub, done follow et de plus jamais venir. Ça va, il faut être... Enfin, faut pas être non plus... Enfin bref. Bon, y a sûrement des gens qui ont dû faire ça, hein, mais ça c'est complètement con. Hein. Je suis désolé pour le mot con, mais... Enfin, pour le terme un peu difficile, mais c'est pas impossible hein, de prendre du recul. En fait, faut juste prendre du recul. Et quand tu sais pas un truc, à la limite, certes, tu peux le dire, tu peux en parler, mais il faut juste choisir les termes, comme à chaque fois, les termes. Parce qu'après, le problème, c'est que tu... Mais c'est vrai, parce que ce dont tu te rends pas compte, et ce dont tu te rends toujours pas compte, hein, parce que et ça fait des mois que tu passes, c'est que devant certains qui regardent le stream, tu passes pour un idiot. Et les gens se disent « Ah non, mais il fait exprès », alors que tu fais pas exprès. Ah mais c'est cool hein, ça, j'espère dans un sens, sinon je pense que tu serais pas là. Je pense que si tu me dis, non mais en fait ça m'importe de te regarder jouer, ça me... C'est que du JV, non oui alors c'est que du JV, mais ça dépasse le jeu vidéo. C'est certes le sujet principal, ça reste le jeu vidéo.
Je suis tout à fait d'accord que je ne vais pas, comment dire, prendre très au... Enfin, oui, je vais pas m'énerver parce que quelqu'un dit cette licence est moins bonne que celle-ci et oui, ça, je m'en fous. On n'en est pas là pour, on n'est pas là pour dire il faut jouer à ci, il faut pas jouer à ça. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas ça. Le problème, il va plus loin que ça. Le problème, c'est que outre un avis sur un jeu, tout le, toute la, comment dire, toutes les réactions, oui, toutes, enfin oui, tous les comportements en dehors des jeux, en dehors, oui, en dehors des jeux, c'est ça le souci, parce que souvent, et là je parle pas que pour Mr. F, tu tombes sur des gens qui ont joué à un jeu rétro. Et qui ont des certitudes. Ces certitudes, ils ne veulent pas les remettre en question. Et quand après ils sont attaqués dans leurs certitudes, ils vont réagir de manière agressive. Et certes, El Santana, je suis tout à fait avec, d'accord avec toi. Ça va, c'est qu'un jeu vidéo. Oui, mais après, ça monte. Disons que ce n'est, tu t'énerves plus pour le jeu. Tu t'énerves parce que les gens se sont énervés tout court et bah après on s'envoie des mandales et c'est dommage parce que comme très souvent quand je commence un jeu, quand je demande à quelqu'un tiens qu'est-ce que t'en penses, j'ai jamais de couteau sous la gorge de n'importe quelle personne, et si il me dit bah ce jeu je l'ai pas aimé parce que tac 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 tac, ou alors je suis pas sûr de mes je suis pas sûr de ce que je me rappelle du jeu parce que tiens je te donne mes mon ressenti, Bah, j'empêche personne. Oui, j'empêche personne. Voilà. Ah, il est pas là. Il doit peut-être être dans son lit parce qu'il est malade. Rappelez-vous, je suis sûr et certain que ça va être un truc comme ça. En fait, il faut juste que j'aimerais bien que les gens soient un peu plus honnêtes avec eux-mêmes. Alors là, tu vas me dire, ouah, sapin, c'est chaud ce que tu dis. Mais pourtant, il y a un peu de ça, hein. Et c'est pas hautain, c'est pas condescendant, c'est pas ça. Sauf que c'est peut-être difficile d'être honnête avec ses souvenirs. Mais ou non, enfin oui. Voilà, oui. Voilà. Donc comme prévu, monsieur le roi n'est pas disponible car il est malade malheureusement. Mais j'engueule personne, hein. Faut pas mal le prendre, c'est le temps. Faut pas mal le prendre. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Ça fait genre plusieurs années que c'est comme ça. J'aimerais juste que pas remettre le même disque, j'écoute la même cassette en boucle. Sauf que c'est chiant. Mais oui, Alta, ça va bien. Non, je veux pas de cookies. J'en veux pas. Mangez vos trucs virtuels là, faites ce que vous voulez. Je suis pas spécialement énervé. Frustré et énervé, c'est pas la même chose. Je suis frustré et embêté de répéter la même chose chaque jour. Parce que je sais très bien que les responsables ou les personnes à qui je parle, bon bah c'est toujours les mêmes. Mais je me dis bien qu'il y a des gens qu'au bout d'un moment ils vont se dire ça va les faire chier et j'ai pas envie que plus tard, parce que c'est déjà arrivé, de lire sur des chats ailleurs que ici. Ah mais je vais plus chez Monsieur Sapin parce que en fait le mec est toujours vénère, il engueule toujours tout le monde et c'est juste un blasé en fait. J'ai pas envie de lire ça. Déjà d'une parce que je trouve que c'est faux, et de deux c'est faire une c'est résumer. Ouais non c'est juste faux en fait.
C'est juste faux. Après, bon, les gens pensent ce qu'ils veulent, hein. Je vais pas les obliger à penser ce que je... à leur faire avaler ma vérité. Mais bon, on peut éviter de balancer de la merde. Ça serait cool. Et ce que je dis, c'est déjà arrivé, hein. Je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu. C'est aussi... Quand je dis je veux pas le lire, c'est parce que je l'ai déjà lu. Enfin, c'est comme j'ai lu que Monsieur Sapin, en fait, il fait du rétro, mais il aime pas le rétro. Imaginez, imaginez quand tu lis ça deux secondes et tu te dis, mais tu te rends compte. Tu te rends compte, je fais que ça tous les jours. Et tu crois vraiment que j'aime pas. Tu crois vraiment que je me... que je... Ah, comment est-ce possible de lire quelque chose comme ça? Comment est-ce possible? Mais même si c'est des rageux, le problème c'est pas que ça soit des rageux, parce que moi je cherche pas que les gens m'apprécient, tous. Bien sûr que tout le monde ne peut pas m'apprécier, et c'est pas mon but. Je suis pas... j'ai pas un ego surdimensionné à ce point, j'espère pas. C'est juste que bah, c'est jamais agréable. C'est jamais agréable. Et t'as pas... non, c'est juste que pas envie de dire ça, quoi. À la limite, si t'aimes pas, t'aimes pas, tu vas faire autre chose, et puis basta. Pff. Voilà. C'est, hein. Et bon... les gens, ils aiment bien donner leur avis. Ils aiment bien créer le... de balancer un peu de sel, là, d'être un peu caustique. Caustique, ça fait longtemps que j'avais pas dit ce mot. C'est que je passais pour un con, je m'énerve, je t'énerve, on s'échauffe et c'est pas quelque chose... Mais non, mais on s'est jamais énervé, là, hein. On s'est pas énervé, là, pour Issa. C'est juste que... là, je parle de... là, Mister Off, je parle de situation qui... Enfin, comment dire, de... d'une situation qui redémarre à chaque fois. Simon. J'en me vois en haut du... Non, mais ça... Pas sûr que ça soit ça, Orfeo. Très honnêtement, pas sûr. Déjà parce que ça sert à rien de regarder les stats encore une fois. Et de deux, en tant que viewer, toi, ça te fait rien que quelqu'un a des vues et des viewers. Tu devrais t'en foutre. T'es un viewer, tu vas où tu veux, point. Si t'étais un streamer, c'est différent. Mais si t'es un viewer, tu peux aller où tu veux. Que ça soit un streamer à 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50, 100... Qu'est-ce que tu t'en tapes, en fait? Et si t'es pas content parce que quelqu'un a des vues, bah, je crois qu'il faut arrêter d'aller sur Twitch. Faut juste arrêter, hein. C'est le problème, c'est pas le problème, ça vient de la personne et pas de, enfin, de la personne qui en parle plus que de la personne qui a ses vues. Alors certes, si tu dis ça de manière à te, parce que tu t'aimerais que certains streamers que tu trouves toxiques n'aient pas de comment dire, ne soit pas regardé autant, bon, ça, c'est un autre problème. Et ça, c'est impossible, de toute façon. Les gens aiment le sel, aiment le drama, donc... enfin, les gens. Il y a des gens qui aiment le sel et le drama, donc il y aura toujours... il y aura toujours un marché pour ces personnes-là. Mais ces personnes-là, on s'en fout, elles sont pas là. Moi, je les vois pas, hein. Enfin, c'est pas moi, je les vois pas, mais je... On s'en fout d'eux. On s'en fout. Les débiles, on s'en fout. J'ai pris le bec avec ma soeur juste à remonter, donc j'étais pas dans les... Oui, mais c'est pas grave. Ah, c'était un effort. Voilà. Après, il y a toujours des gens qui t'aiment pas et qui cherchent un prétexte pour justifier leur opinion, mais quand t'aimes pas, quand j'aime pas un truc, je cherche pas à prouver que j'ai raison et les autres... Oui. Et Mr. F, ça tournait en rond et ça devenait un peu tendu. Du coup, on fait une pause, on prend et on recule et on reprend avec... Oui, mais c'est pas qu'avec lui.
Et là, mais... Enfin, c'est déjà arrivé avec Yellow aussi, sur No More Heroes. C'est déjà arrivé sur sur Billy Hatcher, c'est déjà arrivé sur Pierre Solar, c'est déjà arrivé... Ça arrive tous les 4-5 streams. Hein. Et dans l'idée, ça va jamais aux mains. Hein. C'est arrivé sur Silver? Ouais, c'est arrivé sur Silver. C'est arrivé oui, c'est arrivé sur plein de trucs. Mais on discute, hein, la plupart du temps. 90% du temps, on discute juste. Alors certes, c'est des discussions parfois qui sont pas toujours joyeuses, pipou, tout ça. Mais... moi, je trouve ça bien de discuter de ça. Je veux pas cacher... Oui, je voilà. Mon but n'est pas de me cacher de ça. Alors, je lis, hein. Mais le mec là, le Monsieur le Roi me dit qu'il est au courant, qu'il est bien au courant que les marchands font de la merde et que c'est à cause d'eux que c'est à cause d'eux et eh bien que un des constituants de médicaments n'est pas accessible facilement et qu'il s'en veut parce que avant tout c'est un bon roi. C'est Zerostam. Mais malheureusement, trop fréquent par ces faits de façon maladroite, ça reste quand même capable d'avoir une ouverture d'esprit. Oui, oui, bah ça, comportement, c'est pas facile. Hein. Les gens ouverts d'esprit. Et ça, c'est même pas les gens ouverts d'esprit, parce que ça serait. Et ça serait un peu condescendant de dire non, mais les gens sont pas assez ouverts d'esprit. Moi je le suis, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi vous ne l'êtes pas. Non, c'est pas ça. Mais c'est ce que je disais vis-à-vis des certitudes. Bah, encore, je suis pas sûr, hein, parce que je dis ça en vrai. Je sais pas, mais. Mais dans le rétro, t'as cette fibre nostalgique qui est intouchable. C'est pour ça aussi hein, que je fais pas c'est aussi pour ça que je fais pas que des gros jeux. Hein. Tout simplement parce que j'ai pas envie de voir certaines phrases dans le chat. J'ai pas envie. Ouais, pas de problème. Donc là, on vient de dire au roi que bah, c'est la merde. Parce que lui, il est que dans sa ville. Il sait pas ce qui se passe dans autour. Et comme on est parti, et quand on s'est rendu compte, bah, c'est la merde partout. Lui, il est triste. Il va se dire, ah... Ah ça y est, les couettes, c'est terminé. Voilà. Du coup, Aisha s'est enfin... a enfin décidé de revenir voir son papa. Et comme elle a enlevé ses couettes, eh bien, elle est différente maintenant. Oh là 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 là. Oh là là, le jeu. Oh le jeu, j'ai envie de te taper. Oh mais j'ai envie de te taper. Mmh. Mmh. Donc il lui demande où t'étais. On était tous on n'était pas bien. On se faisait du souci. Elle avait envie de prendre l'air, hein. Elle avait le droit.
Quoi? Attends, il va vraiment me dire ce que je viens de lire? Donc il vient de dire ouais que enfin il avait compris qu'elle était avec qu'on était avec enfin qu'elle était avec nous mais alors juste je vérifie un mot parce que vous savez je par hasard oui je savais pas ce que per chance voilà je ne savais pas on apprend tous les jours on en apprend tous les jours je vous dis Quand j'étais streamer, c'est principalement du Summoner War et combien de fois les gens venaient sur mon stream pour dire oui, il faut jouer comme ci, comme ça. Ouais, c'est ultra chiant. Ultra chiant. Bon, j'ai pas trop ce genre de problème, j'avoue. Je touche du bois, hein. Alta, mais oui. Oui. Oui, c'est un problème. Oui. 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 Bah oui. Donc Sia, c'est le commandant de la garde qui a tout balancé. Enfin, qui a pas tout balancé, mais bon, voilà, il a peut-être sorti quelques petites phrases comme ça, parce que lui, il savait qu'on était parti avec elle. Parce qu'il a remarqué que c'était la princesse, c'est pas parce que tu fais des couettes que tu... Voilà, hein. Et là, il dit « Oui, non mais attends, donc il a tout balancé ?» Et le roi rétorque « Non, non, mais bon, il y a d'autres personnes qui lui disent d'autres trucs, hein ?» Il n'y a pas que lui, hein. Mais enfin. Elle est désolée, elle aurait pas dû faire ça, c'était dangereux, bababi bababou, bababou bababi. Donc là, il dit qu'il est pas, il est désolé qu'elle nous a, si elle nous a, si elle nous a embêtés. Nous, on va lui dire, mais non, elle est vraiment sympa. Regardez, oh, elle nous a vraiment aidés. Hein. C'est vraiment, oh là là. Ah. Oh. Donc là, plot twist. Il nous dit que c'est lui le vieux. Il est vieux. C'est un vieux, il est vieux. Donc apparemment, il y a 200 ans, la tribu de alors c'est tribu de la mer, parce que c'est si je ne sais quoi, ils sont arrivés sur cette là où ils sont et ils ont créé la ville d'Altago et ils se sont fait ronger par le capitalisme. Ah, le capitalisme, c'est pas beau, berk. Et donc là, elle, vu que c'est sa fille, elle se rend compte qu'elle est descendante également de cette tribu. T'es une princesse, mais c'était évident. Ben oui, ben, c'est... Mais non, mais c'est fou, là, c'est fou, parce que la narration, elle est tellement... Le jeu, il se prend au sérieux, mais à cause du fait qu'il se prenne au sérieux, le fait que l'intrigue soit bof, et que la narration, du coup, à cause d'une intrigue bof, elle est bloquée à ce côté... Il t'apprend rien à chaque fois et on te dit « Oh là là, vous vous rendez compte, plot twist, en fait, j'étais la princesse !» Non, mais on l'a remarqué depuis 15 heures, là. Depuis 3 heures, pardon.
Ça c'est le pire dans un RPG ou même dans n'importe quel jeu, quand tu sais avant ce qui va se passer parce que le jeu n'arrive pas à te le... c'est pas il arrive pas à te le cacher, mais bon, voilà, il y a... Il arrive pas à te... à bien te le raconter, bref. C'est dommage. Pire, quand t'arrives à prévoir ce qui va se passer, c'est encore pire. Ça me... Je me dis, ah, c'est dommage. Parce que ça... Ça crée ce sentiment de... Bon, bah... Voilà. Ouais, j'ai déjà joué, quoi, en fait. Après, je suis blasé, vous savez, blasé. Bon, il vient de dire, comme lui, il est descendant, lui, il y croyait pas toutes ces bêtises. Hein. Voilà. Lui, il y croyait pas. Au dragon, machin. Cependant, bon, bah, nous, on entend des voix. Hein. Donc, apparemment, les dragons, ils existent vraiment. Hein. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ah. Bah allez, on fait comme si vous avez pas lu. Vous avez pas lu, hein. Personne n'a lu. Personne n'a lu. Il nous a pas dit d'aller sur l'île du début. Non, bien sûr. Et que bizarrement, sur l'île du début, c'est là-bas où il y a les... c'est là-bas où... voilà. Oh là là! C'est là-bas que tout, pas que tout a commencé, mais... qu'il y a le cinquième dragon. Donc l'altar. Ah là là! J'espère qu'elle va venir avec elle, avec nous, hein, parce qu'on peut pas être à deux. Ah! Donc lui, comme c'est le vieux, normalement lui devrait venir avec nous. Vu qu'à chaque fois, le vieux du village nous a suivis. Mais bah là, il peut pas nous suivre. Il peut pas nous suivre parce qu'il est malade. Donc comme il peut pas nous suivre, eh bien... C'est elle qui va partir avec nous. Donc ça va rien changer. Très bien. Alors je me demande si elle va avoir encore les couettes, ou du coup elle va changer de tenue. Ou ils sont pas embêtés, ils sont... Elle va... Ou est-ce qu'elle va nous dire, non mais en fait j'ai refait les couettes pour que les gens me reconnaissent pas, on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. C'est Vivi. Ah yes! Bon, bien sûr, vu que c'est la tsundere du jeu, alors que c'est une princesse également, là elle vient de très mal nous parler, sauf que elle sait très bien qu'elle ne peut plus. Donc elle est en mode... Là elle nous a dit gros con, et juste après elle aura dit son papa, je veux dire petit-fils.
Ah là là, les pires. Les pires. Genre juste les pires. Juste les pires, juste les pires. Bon, sinon, pendant que le jeu nous raconte sa bêtise, là... il en est où, là, le Yellow Croc, là? C'est bon, il est en train de jouer au jeu? Il se rend compte que c'est la meilleure chose qui lui est arrivée depuis, depuis des dizaines d'années? Enfin, depuis la dernière année? Vite! Oui, bah on n'a pas de chauffage ici, bah j'ai des chaussettes, hein, voilà. Mais là, je pense que si je vais voir Célia, elle va dire qu'elle elle, là, elle doit être en train de mourir. Hein. Ah bah, Gauthier. Juste Gauthier? T'as rien à dire d'autre? Ouais, donc là il dit oui. Je me suis pas. Enfin, j'ai pas pu m'occuper de ma fille comme je le voulais. Ah, il a un truc à nous donner. Royal signé. T'as plus de chauffage chez toi? Non, non, non. C'est pas que j'ai plus de chauffage, c'est que. C'est que là il fait un peu plus frais. Que ces dernières semaines, ça y est, que le froid commence à arriver, ou alors c'est peut-être une petite, c'est une passade. Et moi j'ai pas envie de mettre le chauffage vu qu'on peut mettre les, voilà, on peut s'habiller chaudement et puis basta quoi. Y a pas besoin de mettre le chauffage. C'est cool d'avoir fait un peu Samus Return. Je maîtrise déjà le principe de visée. C'est tellement fluide, bordel, c'est jouissif. Je vais vraiment te casser ta gueule, hein, toi. Au final, Yellow. Est-ce que tu peux écrire sur le chat, Monsieur Sapin, tu avais raison depuis le début, tu m'as prévenu il y a 2 semaines et je ne t'ai pas écouté. Est-ce que tu peux écrire ça, s'il te plaît? Juste, ça me ferait plaisir. Ça me ferait juste plaisir de lire ça. Voilà. J'ai envie d'avoir raison. J'ai envie d'avoir le dernier mot. Voilà. Je veux lire cette phrase-là. Ça me ferait extrêmement plaisir. T'imagines bien. Ah. D'accord, il m'a donné un truc. Il m'a donné la clé, quoi. Allez. Par contre, faut des armes, là. On va aller ce stuff. T'as du mal à écrire sur ton clavier, Yellow? Tu veux que je le fasse à ta place? Ah, du coup, elle s'est rhabillée comme avant, Aïcha. What the fuck? Mais et quelle est l'explication? Ouais. Oui, d'accord, oui. Ouais, on va double check, allez. Donc j'imagine que comme le jeu me dit fais gaffe, stuff-toi bien, c'est qu'on va pas pouvoir revenir tout de suite là où on est sur le continent. Alors c'est bizarre que ce soit la moitié du jeu. Je vais pas pouvoir répondre aussi souvent que d'habitude quand on discute. Que quand on dit... Quoi? De quoi? Hein?
Pourquoi tu dis ça? Il est en train de jouer. Non mais c'est pas que pour ça là. Je lui demande pas d'arrêter de jouer. Et voilà, Guilla vient de dire un truc important. Tu réponds d'habitude? D'habitude, tu dis rien. Tu réponds à la moitié de mes phrases. Pourquoi ça changerait? Bah, je vais pas mettre pause toutes les 10 secondes. Ah! Désolé! Oh! Oh là là! Désolé de te déranger, mon cher Yellow! Non mais tu as raison! Fais comme si je n'avais rien dit, ne m'écoute pas et va faire ta vie. J'ai compris. Et n'oublie pas d'aller écrire sur le Discord cet après-midi ou ce soir, faire ton petit rapport en faisant comme si tout ce que j'avais dit depuis le début, rien n'existait. Je ferai comme si... t'inquiète pas, je ne ferai comme si j'ai rien... je dirai rien. T'inquiète. On a déjà tout. C'est bizarre que je sois déjà full équipé. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller voir oui, on en parle sur le Discord. Non, mais je suis très honnête, j'en parlerai pas. En fait, le truc, c'est que ça fait déjà 2-3 semaines que j'ai discuté de tout ça. Là, vous allez exactement dire ce que j'ai déjà dit. J'ai pas envie de soit me battre. En plus, je vais pas jouer au jeu, donc je vais sûrement pas jouer au jeu maintenant. Donc, t'inquiète pas, je n'irai pas dans la discussion. Vous pouvez en parler tout ce que vous voulez. Moi, bon, je ferai autre chose, hein, c'est pas très très grave. De toute façon, ça a pas changé ma vie. J'ai déjà dit ce que j'avais dit. Je suis déçu de comment ça s'est passé parce que parce que oui, je suis déçu des réactions, encore une fois, mais bon, de toute façon, maintenant, j'ai pris l'habitude. Mais ne vous inquiétez pas, mon cher Yellow Croc, vous avez le droit de penser ce que vous souhaitez, bien sûr. Donc là, si j'ai compris, je peux changer le style d'arme. Là je tape en perçant, mais si je choisis de passer sur la Great Sword, je vais pouvoir taper pouvoir taper comme Doggy. Cependant, si je change, malheureusement, ça veut dire que si j'ai besoin du persan, j'ai plus. C'est bien dommage. Salut, Big Jim. D'ailleurs, je sais pas comment tu fais pour te souvenir de tous les trucs pétés qu'on dit sur Discord. Moi, je me souviens pas. C'est juste qu'il y a certains trucs pétés qui restent dans la tête. Mais en plus, le truc... après, le Santana, de toute façon, tu sais très bien. Ça fait 2 semaines, là, qu'ils sont en train de parler de tous les Metroid, toutes les trois... tous les 2 jours. Donc, bon... C'est aussi ce que je te disais, le Santana, ce qui me dérangeait un petit peu, c'est que
j'allais pas spécialement acheter un Metroid Dread, je voulais pas spécialement l'acheter ou quoi que ce soit. Sauf que cette hype que... Enfin, le fait de streamer, le fait d'être sur un... et d'être sur le Discord, bah ça crée des situations comme là où, où c'est la pression sociale, hein. C'est une sorte de pression parce que aujourd'hui tout le monde va jouer à ce jeu-là, et si tu joues pas, bah c'est pas grave, personne va t'obliger d'y jouer, c'est juste que tu vas être sur le côté et que tu pourras pas parler avec tout le monde, et t'as l'impression de t'être toi-même mis de côté, tu vois. Alors que non. C'est Uechi. Bah, si je notais tout, on serait pas dans la merde. Hein. On serait pas dans la merde. C'est vrai que j'ai pas mal zappé les conversations Metroid, je le ferai plus tard. Donc là, je suis pas hyper attentif. Oui, mais j'aimerais. Enfin, le truc aussi, c'est que j'aimerais bien ne pas être extrêmement attentif. Mais ça, c'est l'effet Hades. Hein. Mais le truc, en plus, avec ça. C'est que, avant que Metroid arrive, j'ai dit, ouais, j'aimerais bien que ça se passe pas comme Hades, et en fait, bah, tu vois, les gens du Discord, ils s'en foutent. Eux, ils font leur vie, et puis basta. Le truc, c'est qu'ils font exactement la même chose avec ce qui s'est passé avec Hades. Le truc, c'est que moi, à force, ça va arriver, ça va monter, et ça va m'en dégoûter. Je vais dire qu'ils m'en ont dégoûté, ils vont pas m'écouter et dire, bah, moi, j'ai profité du jeu, bah, tu vois, enfin, j'ai fait mon truc, quoi, tu... Voilà. Et moi, bah, au final... Bah, je ferme ma gueule et je mange. Et c'est tout. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution. Tu peux pas... Si demain, imaginons, Yellow décide de se dire « Bon, bah, j'ai pas envie de faire chier Sapin, je vais peut-être moins en parler. » C'est pas parce que lui, il en parlera moins qu'il n'y a pas l'autre à côté qui va du coup en parler autant. Enfin, qui va prendre sa place pour en parler. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est un peu la maladie... Enfin, pas la maladie du streamer, mais c'est la... J'ai accepté d'être là où j'en suis. D'être là où je suis, donc maintenant j'accepte jusqu'au bout et voilà, de toute c'est pas très grave. Comme tu pourrais dire, El Santanas, ça reste que du jeu vidéo. Cependant, et c'est ça que ça me dérange, c'est que même si ça reste du jeu vidéo, c'est comme c'est quelque chose que j'aime et ça reste avant mon travail. C'est un plaisir, un hobby, tout ce que tu veux, une passion. Bon, même si passion, c'est galvaudé dans tous les sens, donc j'aime pas dire passion, mais un plaisir de jouer aux jeux vidéo. Bah, le fait d'être dégoûté de certaines choses dans le jeu vidéo à cause d'autres, à cause de certaines personnes, ouais, à cause de certains comportements, pas de personnes, mais de comportements, alors que t'essayes de prévenir ce comportement et tu n'y arrives pas. C'est, tu vois le camion arriver en pleine face, tu dis attention, il y a un camion qui m'arrive en pleine face, et t'es obligé de te prendre le camion en pleine face. C'est obligatoire. Obligatoire. Et j'avais déjà dit que ce qui m'avait. Avant d'être dans le JV, avant de faire ça, je travaillais du coup pour. J'écrivais pour le monde du smartphone, tout ça. Et j'avais été dégoûté de ce domaine-là parce que. À force d'être dans, à force d'être là-dedans, je m'en suis un peu dégoûté malheureusement même. J'ai trop consommé, hein. J'ai fait une overdose, dirons-nous. Et en plus d'avoir fait une overdose, oui, t'as mal, enfin malheureusement dans ce domaine tout n'est pas parfait. Et voilà. Voilà, c'est un jeu très beau. Oui, vous parlez de quoi ? J'ai commencé Hollow Knight. Oh là là. Non mais là c'est du bait. Yuichi est en train de bait. Arrêtez. Prenez pas son bait s'il vous plaît, je vous en supplie. Alors si c'est pas du bait, c'est vraiment de la maladresse. Hein. Je vous en supplie, ne prenez pas. Ah par contre, Mr. F m'a dit qu'il y avait un objet pour augmenter mon XP. Mytho, hein. Mytho. Non. Mmh,
non. Je sais, oui, non, mais c'est pas méchant, hein, Santa, sont d'accord, hein, mais y a pas de problème, hein. Voilà. Hein. Alors, extra jauge, Philip Master. Je sais pas. Non, mais y a pas. Je crois qu'il y a juste pas, en fait. Y a juste pas. Juste pas. Papa. Mon papa. Oh non, pas oh. Est-ce que lui c'est toujours un gros con? Tu vas de firme une pique ou d'asset. Ok. Faudrait aller voir le premier ministre là, l'autre là, et lui dire d'arrêter les conneries, mais bon. Je crois qu'on est bien, on va pouvoir partir. En fait, je sais ce qu'il aurait fallu faire. Là, c'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute. Il aurait fallu ouvrir sur le Discord. Il aurait fallu ouvrir un channel. Le channel Metroid. Et comme ça, les mecs... Enfin, les gens qui voulaient parler de Metroid allaient dans ce channel-là. Et ils auraient fait leur truc dans ce channel là et puis basta. Sauf que le problème d'ouvrir un channel sur Discord, c'est qu'avec les droits et les la manière dont fonctionnent les rôles, c'est super chiant de créer un channel à y donner les rôles. Et c'est super relou. Mais j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça. Mais le problème c'est que parfois tu te dis tiens, je vais faire ça. Sauf qu'en fait tu le fais pas parce que tu te dis si je fais ça pour tous les jeux, il y a des jeux qui vont pas susciter de hype spécialement et je vais créer des channels qui vont pas être utilisés. Et en fait bah c'est con. Ouais. Ah oui, non, bah je... le bateau. Est-ce que c'est ce bateau-là ou... Ou alors faut que j'aille retourner voir le roi. Faut créer un channel pour jouer... Oui, bien sûr. Bien entendu, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vais le regarder sur un long play là. Tiens, puisqu'on parle du jeu qu'on fait, j'ai commencé Captain Toad. Ah, Captain Toad, c'est très bien. Enfin, moi, j'avais bien aimé. Bien, bien aimé. C'est Yimb. Alors, long play 7. Pouette. Alors là, j'ai un long play, je vais aller regarder. Pour savoir où j'en suis. Ça se trouve, je suis vraiment à la moitié. Hein. Oh, mais je suis même pas à la moitié. Ah là là, mais il avait raison, je suis même pas à la moitié du jeu. Oh, ça va durer 53 heures. Aïe, 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 aïe. Ah, je suis ready to go. Go.
Ah. Mais alors lui, je sais pas si c'est une c'est je sais pas, c'est une random ou j'en sais rien. Je vais pas trop parler. Ah, elle lui dit no second catch me. Non. Oui, trop bien. Vite. Vite. D'accord, bon. C'était le moment drôle. Donc là maintenant que en plus elle a enfin avoué que c'est la princesse, bon bah voilà. Ça y est, maintenant elle va dire oh j'aime pas être une princesse, ça me pète les. Ça me pète les genoux. Et bah maintenant t'as téléchargé 50 000 jeux pour falloir les jouer, hein. Fais pas comme certains à télécharger 800 millions de jeux et ne pas en jouer à un. Ce serait dommage. Ce serait dommage d'être de ce côté. C'est faux. Oui, bien sûr. Bah t'es pas prêt de le faire alors. Ça va. Oui, non, mais tout va bien se passer. Allez, tout va bien se passer. Ah. Ah. En fait, je suis en train de me dire, c'est pour ça que Doggy est avec nous. Parce que vu qu'Adol il parle pas, et vu que Doggy c'est le sidekick, s'il n'était pas là pour raconter des conneries, bah au final, bah il se passerait rien. Il se passerait rien, on serait un peu en mode. Après, comme on est à la moitié du jeu et que je pensais qu'on était assez avancé, je pensais qu'on était plus avancé, peut-être qu'il va avoir un plot twist intéressant. Parce que qu'est-ce que le jeu va... comment va le jeu va me faire comprendre qu'il va falloir aller encore faire la moitié? Enfin, qu'on est à la moitié, me demande.
l'orateur lui dit là que c'est sûrement pas une coïncidence que le héros Adol est arrivé pile au moment où c'était le bordel. Monsieur Bennett. Bon là par contre tout le monde a dit que l'île c'était fou hein. Là maintenant faut mettre la max le jeu hein. Là faut que les monstres ils m'éclatent la gueule hein. Le jeu est joli quand même. Moi je trouve joli. Pour de la PSP, c'est sympa. Allez. Laisse-moi taper. Ah oh non, pas lui. Ah. Ah, j'ai envie de le taper, lui. Bah fou, c'est sympa. Qu'est-ce que tu vas me dire encore, Yoichi? Vas-y. Allez, vas-y, balance, là. Balance ton bait nul, là. J'attends. Ah bah non, bah du coup, comme on n'a pas de nouveau perso, c'est lui qui va venir avec nous. Sûr. Voilà, il nous attendait pour nous aider. C'était tellement prévu, c'était prévu. Je suis méchant, mais en fait non, je suis gentil, mais en fait non, je suis un mercenaire. Là, c'est le Dark Sasuke, ouais. Et enfin, je connais pas, moi, Sasuke, tout ça. Mais là, lui, c'est Régis. Voilà. Très bien. Donc, il va nous guider. On n'a pas le choix, de toute façon, de l'accepter, hein. Mais il est énorme sympa, je crois, lui. Bien sûr, Aisha ne veut pas que ce monsieur, je me la pète, vienne avec nous. Parce que si il vient avec nous, il y a deux personnes qui vont être reloues. Et deux personnes qui vont être reloues dans le groupe, ça fait trop. Ah, puis en plus, il s'est introduit dans le château alors qu'il n'avait pas le droit. Et il s'est introduit parce qu'il savait que c'était le vieux de l'hôtel. Allez. Let's move. Il l'a dit. Hop. Très bien. Ah, il a la même arme. Il a la même arme que. Que Adol. Mais. Si ça se passe de la même manière, si ça se passe de la même manière que avec
Je sais plus comment elle s'appelle. Ça sert à rien d'avoir dans le groupe. Ça sert à rien et... Je vais jouer avec les trois là. De toute façon, ces trois là, ils sont toujours présents et puis basta. Allez. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ah ouais, quand même. Attends, ils sont tous comme ça, les monstres, ici. Attention, hein. Bon, il n'y en a pas l'air d'y avoir beaucoup, mais bon. Après, moi je m'y connais pas trop en Tomb Raider. Hein. Je vois que vous avez l'air. Comment dire. Pas excité, mais bon. Je suis assez d'accord avec, avec El Santanas. Pour avoir vu un peu Tomb Raider 3 et Tomb Raider 1 chez, chez John et pour avoir fait le 2. Bon, c'est un peu des nanars, quoi. Après, ceux d'après, je les connais pas. Donc. Je sais pas, peut-être que... Après, ça change sûrement. Mais je crois de toute façon qu'après le 3, les Tomb Raider qui sont sortis, moi j'ai fait le dernier. Non, j'ai fait les 3 derniers, je crois. J'ai fait Tomb Raider 2013, Tomb Raider Rise of the Tomb Raider. Et le dernier, c'est du coup, c'est pas Rise. C'est je sais plus. Non, c'est. Là, il faut que quelqu'un le dise sur le chat, là. Et puis voilà. Shadow, merci. C'était sympa, mais c'était sans plus. Enfin, c'était en fait c'était sympa. Non, si c'était sympa. Oh, c'était sympa. C'était sympa, sympa plus, mais pas exceptionnel non plus. J'ai passé un bon moment, je regrette pas de les avoir faits. Mais si je ne les avais pas faits, ça n'aurait pas changé ma vie. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas? Vraiment pourquoi pas? Pas dire j'ai passé un mauvais moment. Mais je crois qu'avant donc Tomb Raider donc le suite 2013 qu'ils ont refait, je crois que c'est 2013 hein, je suis pas sûr. J'ai cru comprendre que c'était pas fou. C'était pas foufou. J'ai pas sauvegardé au fait. Y'a pas de sauvegarde automatique, faut que je fasse gaffe, hein. Je regarde ma batterie, hein, bien sûr. J'ai arrêté à moitié, j'ai repris l'année après, ouais. D'accord. Ah si, je voulais... Hop, je passe au niveau 30. Je vais voir s'il n'y a pas possibilité d'avoir un quatrième. Ouais, voilà, il y en a un quatrième. C'est Running Slash, non. Earthshaker. Sword Dance. Yes. Vas-y. What?
Ah ouais. Ça c'est bien. Très bien. Ça tue littéralement d'un coup, hein. Bon, ça demande pas mal de points pour balancer l'attaque, mais bon. Paf. On va où là? Paf. Mais ça c'est chiant, c'est assez dommage parce que... Par contre là je suis en train de me dire que si on est vraiment à la moitié du jeu... Ah je vais pouvoir... Oh ça y est. Je vais récupérer un objet qui va pouvoir me permettre de respirer sous l'eau. Ah il y a certains endroits où on va pouvoir aller, ça se trouve c'est ça qu'on va débloquer. Si vraiment on est à la moitié du jeu, ça veut dire qu'on va se taper ce gameplay qu'on est en train de se taper pendant encore la moitié. Aïe. Non, tu peux pas voir le niveau des ennemis, non. Mais de toute façon, si tu leur fais pas de dégâts, Alta, t'avances pas, quoi. C'est comme. Et comme disait Mr. Ruff, si mon niveau... Ah! Si mon niveau augmente pas... très vite... C'est que j'ai le bon niveau, quoi. Ah, donc là, faut que j'utilise le crest qui m'a donné le roi. Enfin, le petit... petit pendentif. Bon, c'est pas un pendentif, c'est une bague... Enfin, pas une bague, une... Une boucle d'oreille, une sorte de boucle. Enfin, c'est une boucle. Bon, ça va. Ça va. Un signé. Ah non, c'est une bague. Très bien. Elle est pas contente parce qu'elle dit que son papa il aurait pu lui donner à elle. Allez. Donc là on va pas pouvoir y aller encore parce que on ne peut pas respirer sous l'eau. Après, c'est d'avoir l'objet qui me permet de respirer sous l'eau. Allez, le jeu balance. Je pense pas que c'est l'endroit de parler de ça, peur. Je suis désolé, mais. Je pense pas que les... on souhaitait. Enfin, ça serait mieux pour toi et pour nous tous. Voilà. Donc on va pouvoir respirer sous l'eau. Tadadi tadada. Mais enfin, y a personne qui t'a parlé de ça en fait, je crois pas. Hein.
Et Yoichi, il a juste parlé de la Wii, hein. Il a pas parlé de ton mal, enfin ça, donc y a pas eu de, enfin, je veux dire, le sujet, il a pas été. Il a pas été, oui, je comprends pas trop ce que. Mais bon, soit, hein, bref. Allez vite! À moins que j'ai mal compris. Oui, c'est bon. Je peux respirer sous l'eau. Ça y est. Donc, est-ce que je reviens en arrière? Non, je vais aller chercher d'abord ce qu'il y a là. Que j'ai chopé. Oh! C'est bizarre l'économie dans le jeu parce que. Salut Dimojo. J'ai pas récupéré beaucoup de. J'ai pas récupéré. Enfin, j'ai pas eu énormément de pognon. Enfin, non. Si. J'ai eu beaucoup de pognon, mais j'ai pas spécialement farmé pour avoir ce pognon là. Et. C'est juste que. J'ai l'impression que. Pour, tu peux arrêter s'il te plaît? Parce que là c'est quand même, là c'est embêtant par contre. Si tu, à la limite, va faire une pause. Mais il s'est rien passé. Donc je te demanderai juste d'arrêter s'il te plaît. Et voilà, s'il te plaît. Je pense pas qu'on t'a manqué de respect. Et c'est tout. En tout cas, je pense que je trouve pas. J'ai dit quelque chose que je. Auparavant, qu'il fallait pas que je dise, bah je veux bien m'en excuser. Mais je lis tout le chat, je l'ai relu là maintenant, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un truc désagréable. Pourtant je fais gaffe. Non, 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 non. Bon, trop tard. Trop tard. C'est dommage parce que j'ai pas compris. Mr. Off, il est parti parce qu'il devait aller manger, mais sinon, il a dit qu'il partait manger, non? Parce que. Je voulais lui demander un truc, parce que. Enfin. Oui, d'accord. Si je me rappelle plus. Re-yellow.
Parce que je sais pas, j'aurais juste aimé savoir quand son... Quand ça allait se passer, son truc là, comme quoi ça allait être fou. Pour savoir si c'est pas à la fin de ce... Je pense que c'est à la fin de cette zone là. T'as joué qu'une heure? Non. Alors je vais voir si je peux pas lui équiper plus de trucs à lui. Pourquoi je peux pas équiper? Je comprends pas pourquoi lui je peux pas équiper Percut. Peut-être parce que... Je sais pas. Bah, un temps d'une heure, une game... Ah oui, oui. Ah, t'es mort en plus! Aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, après, je dis ça, je me suis fait tuer... Je crois que le robot, il m'a... À un moment, j'ai pas... Enfin, bon, c'était sur l'ému, donc j'ai pas pu tester, malheureusement, comme je le souhaitais. Mais je sais pas si c'était un bug. Mais genre, la première fois, le robot, tu dois le... Enfin, bref, tu dois faire quelque chose avec le robot. Et genre, c'est juste le robot. J'ai pas... Il s'est pas passé ce qui devait se passer. Et il m'a one-shot. Il m'a genre juste one-shot. Et je suis en mode, bah, yes. Mais c'est normal, ça. Mais bon, ça devait être l'ému qui a... Alors, ça va pas trop me faire rigoler, j'avoue. Parce que si le seul moyen... Non, faut pas, je remonte pas par là. Oui, il faut fuir, bah, ça s'est fait exprès, hein. J'en suis sûr que... C'est un peu... J'en parlais avec Nîmes, c'est un peu comme dans RE2, non? Genre t'as un perso dans RE2... enfin, qui est très grand, une sorte de géant. Ah, d'accord. Okay. Okay. T'as essayé de nourrir aux en facile, pourquoi? Bah, Albanette, ça va pas? T'es malade? Pourquoi t'as fait ça? Oui, Nemesis, bah c'est un peu pareil, non? Tu peux pas. Mais je sais pas, peut-être que Yellow il connaît pas, j'en sais rien. Bah, faut mettre quelque chose là? D'accord. Je pense qu'on n'a pas à être là. On peut revenir en arrière. Ah non, on peut pas revenir en arrière. Bah vas-y, raconte, hein. C'est Caro. Ok, à toutes. Ah, du coup, bah je saurais pas. Bon, dommage. Bah, à plus tard, Hilo. Dommage. Je crois qu'il a pas compris que je lui parlais. Premier boss, c'est No More Fun. Ah bah. C'est le problème. Hein. Enfin, finir Dragon Warrior, j'ai quand même poussé au level max pour voir ce que ça donnait. Ah ouais? Et c'est quoi le level max? Alors, je vais voir s'il faut revenir en arrière.
Il y a un truc sous l'eau là. Mais c'est le truc sous l'eau où je suis déjà allé, je crois. Non, je suis déjà allé. Il y avait rien d'autre là, je crois. Non, il y avait rien d'autre. Il y avait juste les randoms. Quoique, je suis pas sûr, on va y aller. C'est 30 oh, mais attends, mais t'es taré. Non, mais t'es malade. T'as farmé jusqu'au niveau 30. T'as passé combien de temps? Parce que j'étais au level 20 et déjà que j'étais en train de mourir, ça veut dire que j'étais tapé 10 niveaux. Avec l'avance rapide, regardez-moi ça. Oh là là, avec l'avance rapide. Oh là là, là tu sais là. Là, mon taux de jugement vient de prendre à peu près des proportions jamais vues auparavant. Ouais. Là, tu vois, je vais marquer dans mon calepin, là. Je vais faire une petite croix, là. Ça arrive, là. Là, je cherche. Je suis en train de chercher de faire une petite croix, là. Ok, d'accord, là j'ai plus de batterie par contre. Il va falloir que je charge la console. Mais je l'ai dit au début, c'est toi qui as oublié. Non mais oui, non mais d'accord, mais bon voilà, enfin là t'as tout cassé le jeu, là t'as ton expérience là, bordel. Mais non, mais y'a rien qui va. Arrêtez cet homme. Mister F. Bon, par contre, j'espère que le dragon, tu l'as plié. J'espère que le dragon, tu l'as, mais vraiment plié de chez plié. Lance rapide pour Nestopia, c'est juste x2. Du coup, Albanette, t'as vraiment pas apprécié No More Heroes, c'est ça? Ça t'a... Mais tu dis no more, parce que t'as dit no more fun, mais t'as un peu plus à nous donner, ou alors c'est vraiment genre no more fun, juste no more fun. On n'est pas obligé de souffrir pour le rétro. Oui, mais d'accord, mais après il y a souffrir, enfin, tu peux ne pas accepter de jouer un jeu. Du coup, tu peux ne pas jouer à la limite, c'est pas grave, hein. Tu te dis, bon bah si c'est trop, je vais faire autre chose quoi. Mister Off, c'est quoi? C'est quand que je vais rencontrer les problèmes? Enfin le problème, le truc qui va me... Hop. J'ai compris pourquoi tu as drop, j'ai drop aussi, ouais. Ok, et ok, bah okay. Après je sais pas, est-ce que t'as l'habitude de ce genre de jeu? Ça va être ça la question, hein. Tout dépend de ton expérience. Là, le jeu va step up, le boss final, je l'ai pas trop compris, donc j'ai un peu bourré, mais celui qui m'a vraiment posé un souci, c'est celui après ce donjon. D'accord. Pas trop, d'accord. Oh, il y a un pont, d'accord. Par contre, il a l'air de me demander un objet, le jeu, là, que je n'ai pas... J'espère que c'est juste que je suis pas passé à côté en mode no care et je
pense pas. Hein. Bon, du coup, j'ai fait l'aller-retour et ça m'a permis d'avoir un petit niveau supplémentaire. Mais, qui faisait 60 à 70 par souffle, j'ai pas compris. Ah ouais, donc niveau 30, le jeu était toujours difficile. Donc t'as pas pu farmer pour rouler sur le jeu, quoi. Enfin, même en farmant, le jeu, tu lui as pas roulé dessus, quoi. Donc là, il y a un truc à mettre ici. Je pense pour que ça ne soit pas là. Mais ça doit être là et je l'ai pas trouvé. Ouais, mais c'est pas grave, ça me fait farmer, mais... Là, c'est pas là. Ah, j'ai pas dû ouvrir ça. Si, mais ça doit être un objet... C'est un objet nul, ça. Viens là, toi. Oh. Voilà. Oui, je peux pas le... C'est un objet nul. Y'a pas un truc derrière, là? Oh. Qu'est-ce que j'ai raté, là? Quoi? 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 Ah! Je viens pas de choper un... Non, j'ai... Non, non, c'est autre chose. Non. Bah, je comprends pas. En plus, j'ai suivi. What the fuck? What the fuck, les gamers? Mister F, au secours! C'est pas la première fois que je me fais avoir, en plus. Vu qu'il y a quelque chose de bon, c'est marrant, c'est plutôt des consommables. Oui, bah alors, si c'est... Oui, oui, non, mais il y a... Alors, j'ai vu le truc rouge, déjà, hein. Il y a un truc qui va pas là. Ah mais attends. Comment j'ai raté ça? Comment j'ai raté ça? Ok, c'est moi qui est nul. Ah non, c'est moi qui est nul. Oublie, c'est moi qui est nul. Je ne sais pas, je sais pas ce que j'ai... Je sais pas. N'en parlons pas. N'en parlons pas, je suis gêné. Je suis gêné d'être gêné. Non mais je... Oui, en plus, oui. Hop. Allez. Ah. Ok. Par contre, j'ai beaucoup de pognon, non? C'est normal que j'ai autant récupéré de pognon. J'ai l'impression vraiment d'être riche. Je viens de là, non? Non. Si, je viens de là, non? Oh.
Ah, ça coûte tellement cher le... Hop. Ça coûte tellement de cher les SP. Enfin, les SP, les techniques. Tu as beaucoup plus d'argent pour rendre les objets notamment... Ok. Du coup, le dragon que j'ai tapé là, j'aurais pas dû le taper maintenant. Bonjour. Ok. Le dragon du vent. Non, le dino. Pardon. J'ai du dino. J'ai voulu dire dino. Le dino. Oui, Célia. Oui, Célia. Oui. Le dino, si tu pouvais le faire maintenant. Ah, si, si, ok. Alors, j'ai chopé quoi? Une crise. Ah, bah voilà, c'est ça. D'accord, c'est ça ton truc là. Bon, en vrai, je vais le mettre hein, parce que. Hop, totalement. Charles vous dit bonjour, bien entendu, ne t'inquiétez pas. C'est juste que. Je crois qu'elle elle a dû faire un petit coucou. Son pet de combat. Oui, oui, non, mais. Peut-être parce qu'elle a pas froid là. Ah, il fait un peu. Il y a un peu de soleil. Ah mais stop, j'ai envie de te poser la question, mais t'as le droit de me répondre, c'est pas grave. Est-ce que le monde il est plus grand? Est-ce qu'on va découvrir un autre monde? Enfin un autre monde, un autre. En fait c'est ça le truc? Parce qu'on va pas repasser par où je suis passé déjà. Hein? Quoi? Donc là, hein? C'est mieux au soleil, ouais. Ah, du coup... Ah oui, je peux vraiment changer... D'accord. Oh, c'est sympa, ça. C'est intéressant. C'est intéressant pour les combats. Les combats de boss. Tu peux le faire, t'as la récompense, c'est sympa au début du jeu. Tu te tapes tout ton niveau, c'est moins intéressant. Mais moi, je suis heureux dessus. D'accord. Oh, niveau 50, quand même. Pas mal niveau 5. Donc là il y a les trucs à mettre mais je sais pas encore ce que c'est. T'as déjà vu 80% de la map du jeu, je compte aussi les donjons. Ok. D'accord. On va pas refaire les donjons quand même? Non. On va juste ouvrir les portes là? Les portes spéciales que j'ai vues dans le. Non. Non, Mr. F, non. Please. Don't. Non, pas ça. Tu vas me le dire et je vais avoir envie de me jeter.
Ok. Can go down. Oui. Yes. Ah, le jeu qui te donne tellement des équipements en mode hey, prends ça! Alors que j'ai acheté tous les équipements que je pouvais acheter, foiré. Foiré, foiré, foiré. Donc là j'ai toujours pas la possibilité. Je sais pas ce que c'est. Je suis mort de quoi? Ah j'ai pas activé l'objet. J'ai pas activé l'objet. Je suis mort de manière nulle. Donc là, je pouvais pas respirer solo. Là, ce que je vais faire. Ah, si je fais ça, par contre, on va mourir. Ouais. On va sortir de l'eau. Si on a vu l'heure, on va arrêter le stream là, ici, de toute façon. Ah, mais. Ça fait tellement mal, oh! Oh là là, mais. Je suis pas sous level quand même, non? Ah, on va se mettre là. On va prendre ça. On va relever notre cher. Ah, je reprends pas de vie là. Allez. C'est un truc arrivant dans les listes de faire revisiter les lieux que tu as déjà vus, mais juste pour te faire aller dans un nouveau lieu, ça leur permet d'économiser. Mais de mon côté, de ton côté, ça te permet aussi de voir un peu l'évolution du monde juste à la zone A. Passer zone B, puis jouer. Oui, bon, après, bon. Attends. Je t'avoue que. Certes, l'évolution du monde. Ah. En plus de l'évolution du monde, moi, je vois ça. Je vois ce que j'appelle la flemme. Enfin, pas la flemme. C'est pas la flemme. Non, non, c'est pas la flemme. Mais je vois plutôt l'économie de moyens. Voilà. Plus que la flemme, l'économie de moyens. Et c'est jamais quelque chose qui est agréable de. Enfin, oui, agréable, tout court. Tout court, tout court. Bref, de toute façon, ça ne change strictement rien. Là, nous, on va s'arrêter là. Je vais sauvegarder d'ailleurs. Bah, je vais attendre que mon personnage récupère sa vie. Et on sauvegarde. J'ai un peu peur pour la suite de l'aventure. Je vais être très honnête, j'ai un peu peur pour la suite de l'aventure. J'ai peur que le jeu soit pas méga intéressant de par tout ce que j'ai déjà dit, plus le fait qu'on soit juste à la moitié. Je pensais qu'on était quand même bien avancé. On verra bien. J'ai des réserves. J'ai plus de réserves que j'aurais aimé en avoir. Et voilà. Du coup, j'attendrai d'avoir un peu plus de. Bah. Allez, dans un stream et demi, deux streams sur le jeu. Je pense que mon avis sera cristallisé. Ouais. Se cristallisera, pardon.
Et il changera pas beaucoup. Mais dommage, parce que j'aurais bien voulu mettre une note bleue. Petite note bleue, là, ça aurait fait plaisir. Mais apparemment, ça sera plutôt proche du orange, voire aller vert si vraiment il m'impressionne. Mais j'ai un doute que le jeu ne me donne autre chose que ce qu'il déjà, il m'a déjà donné. Je suis un Legend of Dragon. Ouais, mais il est prévu de toute façon, le Legend of Dragon. Je sais pas comment quand je le ferai, mais ça sera prévu. Bref, en tout cas, je vous remercie d'avoir été présent. Là, je vous envoie chez Nim Nim qui joue à Metroid Dread. Nous, on se dit à demain pour continuer Castlevania Bloodlines et sûrement démarrer le prochain jeu. Donc, demain, Console Mania 8-16 bits. Si on se retrouve pour Is, sûrement lundi. Voire mercredi, je ne sais pas, on verra. Et c'est tout. Et c'est tout. Hop, 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 hop. Calme-toi bien. Passez une bonne après-midi. Merci d'avoir été présent encore une fois. Bon appétit. Et à demain. Au revoir. Des bisous.